La table ronde que nous allons organiser aujourd'hui, enfin maintenant, porte sur une problématique très sensible. Donc j'en appelle à votre sérénité. J'espère que les échanges seront aussi sereins que possible sur ce thème de la négation. On a examiné ce matin les faits, la réponse juridique. Je pense que sans vouloir monopoliser la parole, il est peut-être intéressant d'examiner quels sont les arguments qui sont avancés par ces négationnistes pour mieux les combattre. Et je propose de donner la parole à Colette Brachmann, qui a été, donc, comme vous le savez tous, on a des intervenants de très grande qualité aujourd'hui, présente sur place dans ces années 93-94 au Rwanda, qui a été donc témoin direct de ce génocide, et qui se propose de revenir sur les arguments avancés aujourd'hui par les négationnistes. Je voudrais commencer par un point qui est vraiment dans l'actualité, c'est que ces derniers temps, j'ai assisté, en tout cas en Belgique, à pas mal de réunions, de colloques sur le Rwanda, et j'ai été vraiment frappée par ce qu'on appelle en jargon journalistique les éléments de langage qui est encore utilisé aujourd'hui. Je les cite quelques-uns. On parle de l'énigme que constitue le drame rwandais, ou bien le grand puzzle, ou bien les massacres indiscriminés, ou bien l'explosion de colère populaire. Ce qui veut dire que 20 ans après, en tout cas en Belgique, on ose encore utiliser des termes comme celui-là. Et il y a comme s'il y avait une difficulté à dire la réalité des choses qui est le génocide des Tutsis au Rwanda. Chaque fois, on se sent obligé d'ajouter l'horrible génocide ou les terribles massacres. Non, la définition elle-même se suffit à la réalité. Et donc, je constate que 20 ans après, dans tous ces colloques, des orateurs ne nie pas la réalité des tueries, mais les attribue à d'autres causes et met en cause donc cette définition du génocide des Tutsis. Pourtant, Hélène Dumas rappelle que, ce qu'on a déjà dit ce matin, donc je ne vais pas m'apesantir, en ce qui concerne la planification, les faits parlent d'eux-mêmes. Peut-être que le tribunal d'Arusha, du point de vue juridique, n'a pas retenu la planification, mais les faits qu'elle a constatés comme historienne, que nous avons constatés comme journalistes, sont suffisamment parlants. Le déplacement des tueurs à bord de véhicules communaux, les distributions d'armes, le caractère systématique de la mise à mort des Tutsis, c'est suffisamment parlant. Et je me rappelle d'un colloque il y a quelques jours où Jean-Philippe Sépi, le premier journaliste qui a utilisé le terme génocide, était interrogé et il a dit: mais moi je suis journaliste et je me moque de cette définition compliquée d'Arusha. Ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit, c'était des amis rwandais qui m'ont dit: témoigne que nous allons mourir parce que nous sommes Tutsis. Et il s'est dit, on était le 10 ou le 12 avril, il n'y avait aucun doute, et il a utilisé dans Libération le mot génocide parce que les faits s'imposaient. Alors ce qui est frappant, c'est que dans le cas du Rwanda, le négationnisme s'est développé au moment même, c'est tout à fait simultané, au moment même où les crimes se commettaient. Et ce négationnisme, par la suite, a été encouragé par certains milieux français, et il est vraiment frappant de constater que non seulement les termes ont jeté le flou dès le début, ils ont semé la confusion, mais très vite, il y a eu une extraordinaire production éditoriales, des livres, des revues, des sites internet qui ont instillé le doute au sein du public européen, mais aussi dans toute l'Afrique francophone. Et lorsque j'entends quelqu'un comme Boubacar Boris Diop qui est allé au Rwanda, l'écrivain sénégalais qui est allé au Rwanda, je pense que c'est en 97, il a dit: moi je n'avais aucune information réelle sur le Rwanda, il a fallu qu'on m'invite, qu'on organise un séjour d'écrivains francophones à l'initiative de Fest Africa, une association de françaises, pour se rendre compte de la réalité. Ça veut dire que ce négationnisme, je crois que c'est important, on ne mesure pas ses effets concentriques. On pense qu'en Belgique, particulièrement en France, qu'on y est particulièrement exposé et qu'il est nocif. Mais je
crois que dans l'ensemble du monde francophone, entre parenthèses, bravo la francophonie, il y a une diffusion de ce message de mensonges, d'informations fausses qui continue jusqu'à aujourd'hui à faire des ravages et qui, vu la faiblesse de la diffusion de livres, la faiblesse de l'accès à une information diversifiée, finalement n'est pas contredite et fait des ravages dans les esprits, dans l'ensemble du monde francophone et particulièrement en Afrique et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs, ce qui m'amène à dire que le négationnisme est aussi un acte de guerre, d'une guerre qui se prolonge, qui continue aujourd'hui. Et évidemment, je ne vais pas énumérer tous les arguments du négationnisme. L'un des premiers, bien entendu, dès le premier jour, était de faire porter au Front patriotique rwandais la responsabilité des événements. C'était évidemment la guerre d'octobre 90, au départ de l'Ouganda, qui avait déclenché la guerre et la déstabilisation du pays. Ensuite, dans les minutes qui ont suivi l'attentat contre l'avion présidentiel, la radio des Mille Collines a accusé les casques bleus belges. Et là, il faut quand même c'est tout de même intéressant à observer que dans les premiers temps, ce sont les casques bleus belges qui ont été mis en cause par RTLM et par des informations diffusées par le colonel Bagosora, qui le tenait de ses informateurs, notamment de sources françaises. Et des Belges, des coopérants belges à l'époque m'avaient dit, lorsque nous avons entendu le bruit du crash de l'avion, on a voulu savoir ce qui s'est passé, ils ont appelé l'ambassade de France. Et la première information est sortie de l'ambassade de France pour dire ce sont les Belges qui ont abattu l'avion. Cette information est sortie à 23h le 6 avril. Et le 7 avril, les 10 casques bleus belges ont été massacrés, ce qui a entraîné très rapidement le retrait du contingent belge et finalement le retrait, le démantèlement de la force des Nations Unies. Donc il y a là un enchaînement de causes et effets et on n'a pas mis en cause le Front patriotique rwandais tout de suite. Par la suite, évidemment, le négationnisme a fait partie de la guerre de propagande et ce n'est que deux ans après qu'on a nommément mis en cause le FPR dans cette histoire d'être responsable de l'attentat contre l'avion et je passe sur la procédure Bruguière, etc. Mais cette montée en puissance des accusations contre le FPR a été depuis le début une tactique, de déplacement de projecteurs. On déplace l'attention des médias, les projecteurs, sur une question qui est somme toute secondaire, y compris d'ailleurs la boîte noire. Très vite, on a parlé de la boîte noire comme si cette boîte noire allait vous donner l'identité des tireurs au sol. Si on raisonne, c'est un raisonnement débile. Et bien pourtant, il a été très vite envoyé, dès le mois de juin, cette histoire de boîte noire a occupé la presse. Et elle a très opportunément détourné l'attention non seulement de l'identité des tireurs, mais surtout des massacres et des crimes qui se commettaient dans le pays. Elle a occulté le déroulement du génocide. Même détournement d'attention par la suite, où les caméras se sont focalisées sur l'exode qualifié de biblique, vous imaginez, des Hutus vers le Congo. Tout le monde s'est focalisé sur la crise humanitaire, médicale, sanitaire et on a occulté, ce qui a permis d'occulter les conséquences du génocide au Rwanda. Et soutenu jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur l'affaire Bruguière que tout le monde connaît, ni sur les ouvrages de Pierre Péan qui, au lieu de se rendre sur le terrain, a reconnu qu'elle avait puisé ses sources d'informations dans les documents qui lui avaient été fournis par l'Élysée. Mais il faudrait dire aussi que, soutenue par cette rhétorique victimaire, la thèse du double génocide est omniprésente jusqu'à aujourd'hui. Elle présente les crimes commis contre les Tutsis comme des actes de légitime défense, d'autodéfense, ou pire, comme des règlements de compte entre voisins, ce qui exclut la préméditation, l'organisation et la propagande, qui sont constitutifs du crime de génocide.
Et cette négation s'est particulièrement répandue dans les milieux religieux, où, sans s'interroger sur la faillite de l'évangélisation, sur les responsabilités de l'Église dans la division du peuple rwandais, de nombreux membres du clergé catholique ont anticipé sur le travail de la justice et ont préféré lancer des appels au pardon collectif, à la réconciliation, et en mettant sur le même pied les uns et les autres, en renvoyant tout le monde dos à dos. Et il y a 15 jours, dans un colloque, l'ambassadeur de Belgique au Rwanda à l'époque m'a dit: la Belgique a toujours essayé de garder un juste équilibre entre les deux extrémismes. Ça a été prononcé il y a 15 jours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient ambassadeurs à Kigali il y a 20 ans, mais qui n'ont toujours pas compris et qui se situent toujours dans cette thèse du double génocide, des doubles crimes. Alors évidemment, par la suite, dernier point, les négationnistes ont pris argument des massacres qui ont eu lieu, des tueries dans les camps de réfugiés au Congo, des deux guerres qui se sont déroulées au Congo, de la traque des combattants Hutus dans les forêts congolaises, pour évidemment jouer sur les chiffres, pour minimiser le nombre de Tutsis assassinés au Rwanda et pour augmenter le nombre de victimes Hutus, ce qui est le but de ce travail mathématique étant évidemment de conclure en disant qu'il y a eu autant de morts des deux côtés, kiff kiff, voilà, on renvoie tout le monde dos à dos et comme ça on est quitte, on se lave les mains. Et aujourd'hui, ces thèses ont continué à gagner du terrain, en tout cas dans les milieux autour de Belgique, et elles tentaient à faire porter aux Tutsis eux-mêmes la responsabilité totale des massacres. Et on ose dire que le FPR aurait délibérément sacrifié les Tutsis de l'intérieur et provoqué la colère populaire et spontanée. Comme si les parents des victimes étaient eux-mêmes les responsables de l'extermination. À cette argumentation s'ajoutent évidemment quelques termes que l'on connaît bien, le complot Tutsi mondial, international Tutsi power, et lorsque certains négationnistes qualifient les Tutsis de juifs de l'Afrique, la boucle est bouclée et l'histoire, malgré le plus jamais ça, se transforme en un tragique bégaiement. Mais ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que le négationnisme est une arme de guerre, et cette guerre continue aujourd'hui. Cette guerre fait des ravages dans tout l'espace francophone, elle fait des ravages en particulier au Congo, et il y a une production, je l'ai dit, une production éditoriale extraordinaire qui est imprégné de cette thèse négationniste, mais qui, par les miracles de l'édition ou de certaines facilités de diffusion, je pense que certains livres se diffusent plus facilement que d'autres. Et ces livres-là, vous les trouvez dans toutes les librairies de Bukavu. Il y a 15 jours, j'étais à Bukavu, j'ai vu des piles entières des œuvres immortelles de Pierre Péan, de Bernard Lugan et d'autres, où le libraire m'a dit: tu dois lire ça, comme ça tu vas comprendre, comme ça enfin tu auras la vérité. J'étais assez fâchée. Je dis: mais comment est-ce possible que vous ayez des piles entières comme ça? Ah oui, mais tu comprends, ça nous est livré, c'est très facile, on a des réductions. Ça veut dire que la guerre continue, qui est la guerre de la diffusion de cette thèse négationniste par les livres, la presse, les sites internet aussi. Tout le monde maintenant en Afrique est branché sur internet, et là vous avez une production extraordinaire de négationnisme qui fait des ravages dans les esprits, qui retarde d'abord le fait de regarder la réalité en face, la réalité du Rwanda, la réalité des conflits dans la région, la réalité des solutions possibles, et qui finalement postpose une éventuelle cohabitation pacifique entre les peuples de la région. Donc le négationnisme est une arme de guerre, et cette arme, elle frappe aujourd'hui encore. Colette Brachmann, vous venez de publier, je crois, 1000 collines, 1000 douleurs, aux éditions Nevicata, où vous abordez cette question de la négation également à travers un voyage au Rwanda d'aujourd'hui. Et donc, les personnes qui seraient intéressées par cette question pourront l'approfondir dans cet ouvrage, qui doit être peut-être à l'entrée.
Alors, autre témoin, évidemment, Patrick de Saint-Exupéry. On a évoqué ce matin les déboires judiciaires que vous avez avec un certain nombre d'associations Hutu, qui, de représentants, plutôt d'officiers Hutu, qui... Français, pardonnez-moi. Qui sont quand même relayés sur la toile par tout un tas de sites rwandais qui se font caisse de résonance de propos qui... Voilà. Donc ce que je proposais, c'est que vous reveniez peut-être sur votre expérience personnelle, parce que pour vous, le négationnisme, c'est une réalité concrète, et voilà, que vous nous expliquiez comment ça s'illustre au quotidien quand on, comme vous, on est en première ligne. Le négationnisme, on y est confronté en fait très tôt, déjà pendant, pendant les événements en eux-mêmes. L'exposé de Colette était très complet, mais pendant les événements en eux-mêmes, se pose la question du récit, de l'événement, de la bonne mise en forme de l'événement, du travail d'enquête aussi qui est effectué sur l'événement en train de se produire. Et on constate que la pollution extrême, autant Jean-Philippe Seppi, comme le mentionnait Colette, va tout de suite et très vite utiliser le mot génocide dans les récits qu'il va produire. Autant il va y avoir d'autres lectures qui vont être produites en même temps dans la presse, et pas que, ou dans les discours des politiques, qui d'entrée de jeu, quand l'événement se produit, contribuent à un brouillage, ou comme si l'événement était tellement fort qu'il était intranscriptible de manière précise. Et nous, journalistes, nous trouvons confrontés à une situation extrêmement compliquée, qui est toute simple, c'est quels sont les mots posés pour bien raconter cette histoire. Moi, à titre personnel, enfin, nous étions un petit groupe de journalistes, les premiers jours que nous passons au Rwanda en mai 94, il n'y a que des morts. On ne croise personne de vivant, on ne voit que des morts. Donc, en fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de mots qui sont posés, il n'y a rien à dire. Et le négationnisme naît de ce silence, de cette difficulté de la traduction de l'événement, parce que ceux qui pourraient raconter, ceux qui pourraient témoigner, sont morts. C'était d'ailleurs le propre de l'extermination. Alors bien sûr, il reste toujours des rescapés. Évidemment, on n'arrive jamais à tuer tout le monde, mais ces rescapés ont une voix d'abord sur le moment, lorsqu'on les trouve. Leur récit, nous sommes sur place, donc nous comprenons parfaitement que les récits sont absolument exacts. Et en même temps, il est évident que les retranscrire tels que ne peut créer qu'une forme de sidération pour le lecteur qui est à 8000 km dans un autre monde avec sa vie, etc. Et qu'il y a d'évidence une incrédulité du récit immédiat des rescapés, une incapacité à ce que cela puisse être entendu ou être compris. Et donc, toute la mécanique du génocide, enfin le marqueur, un des marqueurs du génocide, pour moi le premier marqueur du génocide, c'est d'abord le silence qui s'ensuit. C'est le silence. Le vrai marqueur du génocide, c'est le silence. Ceux qui pouvaient, encore une fois, mais ce sont des moins importants, quoi, ceux qui pouvaient en parler sont morts. C'est aussi simple que ça, les témoins sont morts, et c'est la finalité du génocide, c'est qu'il ne reste plus de traces. Donc le premier marqueur, c'est le silence. La conséquence de ce silence, c'est d'ouvrir la parole à la négation. Parce que qui a intérêt à produire une autre lecture de l'événement? Eh bien évidemment, ceux qui ont participé à l'événement, ceux qui l'ont écrit, ceux qui ont été acteurs, responsables, concepteurs, intellectuels, eux ont tout intérêt à produire une parole qui va nier la réalité de l'événement, ou du moins la réécrire, cette réalité de l'événement. Et donc, de fait, le rapport, la bascule est totalement inégale entre les quelques rescapés qui vont d'abord affronter d'énormes problèmes, ne serait-ce que pour traduire leurs paroles en vrai récit, parce que c'est un travail immense à faire sur soi-même, et une masse de gens qui eux, sont sortis indemnes du génocide
bien sûr, puisqu'ils en ont été concepteurs ou acteurs, et qui ont un intérêt évident à réécrire et réorienter cette histoire. Et de fait, ce déséquilibre est d'abord un déséquilibre de la parole, mais aussi également un déséquilibre de la circulation de la parole, parce que les rescapés vont s'adresser à une petite minorité. Eh oui, à une petite minorité, parce que techniquement, ils vont d'abord, ils ont perdu leurs proches, c'est très difficile de faire circuler la parole, et peu de gens, dans un premier temps, ont envie de s'intéresser à un génocide, donc leur auditoire va être extrêmement limité, alors que l'auditoire de ceux qui ont tout intérêt à faire aussi, à réécrire un peu l'événement, est bien plus important. Évidemment, ces gens-là sont passés, de fait, au travers du génocide qu'ils ont réalisé et veulent réécrire cette histoire. Et là, la communauté est très importante à vouloir réécrire cette histoire. Donc nous sommes dans une circulation de la parole qui est extrêmement favorable. Et je pense à ça lorsque Colette formule au jour d'aujourd'hui ses ouvrages de type négationniste qu'elle voit dans les Kivu exposés visiblement, d'après tes mots, par pile. C'est logique, c'est simplement logique, parce que au Kivu, il se trouve un certain nombre de gens qui ont simplement envie de lire ces livres, parce que ils étaient proches des génocidaires, ils ont été emportés dans le mouvement, ils ont été impliqués contre leur gré. Parfois aussi, on peut impliquer sa population contre son gré. Et c'est en grande partie ce qui s'est passé au Rwanda, où il y a eu création dans un premier temps, avec cette lecture difficile des événements, d'une sorte de culpabilité collective ou tout, comme si tout un peuple pouvait être tenu pour un crime de génocide. Et ça n'est qu'ensuite, avec le temps, que cette création de culpabilité collective a été voulue par les concepteurs du génocide pour se protéger aussi derrière la communauté, pour diluer la responsabilité individuelle derrière un bouclier collectif. C'est tellement plus facile de s'abriter derrière une responsabilité collective en disant « non, c'est pas moi, c'est nous tous ». Et c'est nous tous, ça n'est plus personne. Et de fait, donc, un certain nombre de gens se sont trouvés emportés dans cette logique-là et sont aujourd'hui les premiers lecteurs de toute cette littérature que je n'imaginais pas aussi conséquente, en tout cas présente de manière aussi importante dans le Kivu. Donc, tout ça pourquoi ? C'est que la négation est la marque du génocide. C'est dans la logique du génocide. Et si on se réfère un peu à des comparaisons historiques qui valent toujours qu'il faut savoir limiter, mais souvenons-nous quand même de la Shoah pendant Nuremberg, pas une fois pendant toutes les sessions du tribunal de Nuremberg, pas une fois le mot juif n'a été prononcé. Pas une fois. Pas une fois le mot génocide qui venait d'être créé, bien entendu, qui est sous sa forme juridique, pas une fois la notion de génocide n'a été avancée à Nuremberg, ni juif, ni génocide à Nuremberg. Primo Levi publie « Si c'est un homme » en 1947, son livre est tiré à 2500 exemplaires. Et lors du procès Eichmann, qui va marquer en 1961 quand même l'inscription dans la mémoire collective de l'Europe de la Shoah, la première édition de Primo Levi n'est toujours pas épuisée, 2500 exemplaires. En 1948, Maurice Bardèche, négationniste, le premier à introduire l'idée des poux justifiant les chambres à gaz, parce qu'il y avait des poux, c'est le premier, Maurice Bardèche, 1948. Donc nous sommes toujours dans l'après-choix immédiat. Son livre est tiré à 25 000 exemplaires. Il est retiré dans je ne sais plus combien de fois, jusqu'au procès Eichmann. Il ne faut pas s'étonner, c'est peut-être terrible de le formuler ainsi, mais il ne faut pas s'étonner de la présence immédiate de la parole négationniste après un génocide. Elle est, encore une fois, son marqueur. Et en France, et je vais arrêter là tout simplement, quelle est en fait la personne qui vient amener le... ou en tout cas ouvrir la possibilité de cette parole négationniste, c'est François Mitterrand, c'est tout simple, hein, François Mitterrand, président de la République française, dès novembre 1994, 4 mois après la fin du génocide, Mitterrand ouvre la porte à une remise en cause de l'extermination des Tutsis au sommet franco-africain de Biarritz, où là nous sommes dans le cadre classique France-Afrique, et François Mitterrand prononce un discours face à toute l'Assemblée, un discours solennel qui pose un petit problème, c'est que dans son discours il évoque le génocide
rwandais. Et dans la version écrite de son discours, il est question des génocides rwandais. Il est interrogé sur la bonne version, à savoir y a-t-il eu un génocide ou des génocides au Rwanda. Il hésite pendant très longtemps avant de répondre. C'est assez violent comme moment. Il tourne autour du pot, ça prend un certain temps. Et après avoir longtemps hésité, il se lance. Et voici ce qu'il dit. Vous voulez dire que le génocide s'est arrêté après la victoire des Tutsis ? Je m'interroge aussi. Si le génocide n'était pas terminé, si sa nature restait indéterminée, le génocide de qui sur qui, que s'était-il donc passé ? Il était en train d'ouvrir la porte à la parole négationniste sous une forme interrogative, mais qui était, nous sommes en France, c'est le président de la République, qui était aussi une sorte de signal, et c'est cette parole sur les doubles génocides, on va la retrouver au travers de, dans la bouche d'Alain Juppé, qui après avoir été effectivement le premier à mentionner le génocide, ce qui est factuellement exact, va quelques semaines plus tard, et là nous sommes en mai 1994, donc avant la fin du génocide, dans une tribune à Libération, parler à son tour des génocides. Et on sent très bien que c'est la France officielle qui introduit cette notion des génocides au Rwanda, qui se sont produits au Rwanda, qui est la base de la notion de double génocide, celle qui permet en fait de dire, ben voilà, en fait, il ne s'est rien passé. S'il y a eu plusieurs génocides, s'il y a eu des génocides de tous les côtés, nous sommes donc dans les massacres, les tueries, donc ça n'est pas un génocide. Et somme toute, que toutes les parties se mettent derrière une table et règlent leurs différends, rien de spécial ne s'est passé, fermer le banc. Et cette notion de double génocide n'est toujours pas, même si elle est moins forte aujourd'hui, n'est toujours pas réglée parce que nous avons toujours du mal avec les mots que nous utilisons, et là je reviens à ce que disait Colette, tout à l'heure j'étais frappé, et je n'avais pas réalisé jusqu'ici, que le tribunal international, dans sa reconnaissance du génocide qui s'est produit au Rwanda, formulait le génocide rwandais, ce qui me pose un problème, parce que moi je ne connais pas de génocide rwandais, je ne connais pas de génocide allemand. Il n'y a pas eu de génocide allemand, il y a eu un génocide des juifs en Europe, commis par les nazis, voilà. Et cette question de la désignation de l'événement est au cœur de ce qui peut être construit après. Alors, il n'y a pas eu de génocide rwandais, il y a eu un génocide des Tutsis du Rwanda, et je vois que l'expression qui est la plus couramment utilisée aujourd'hui, c'est le génocide des Tutsis du Rwanda et des Hutus modérés. Mais ça me pose un problème, parce que les Hutus modérés ont été assassinés, bien entendu, il y a eu des assassinats, mais ils n'ont pas été visés parce qu'ils étaient Hutus. Ils ont été visés parce qu'ils avaient une position politique comme en Allemagne, des opposants, enfin en Allemagne nazie, des opposants ont aussi été assassinés. Donc il me semble que la vraie désignation de l'événement de 1994 est le génocide des Tutsis modérés, le génocide des Tutsis, je m'excuse, le génocide des Tutsis et l'assassinat des Hutus modérés. Voilà, là nous sommes pour moi dans une désignation précise de l'événement et disant cela, nous sommes aussi dans la difficulté d'arriver à poser de manière évidente cette désignation précise 20 ans plus tard. Merci beaucoup. Autre témoignage très important, je pense aujourd'hui, celui de Jean-François Dupapier qui... entend se pencher sur un document qui a été publié il n'y a pas si longtemps sur Internet et qui lui aussi propage un certain nombre de thèses négationnistes, cette fois-ci sous la plume française, je crois. En fait, je voudrais vous parler d'un admirateur de Patrick de Saint-Exupéry, Hubert Védrine. Dans un petit livre intitulé Rwanda, la trahison de Human Rights Watch, qui est d'ailleurs en vente, j'ai vu à l'entrée, l'ancien diplomate américain Richard Johnson résume les préconisations qui se dégagent d'un certain nombre de textes de la grande organisation Human Rights Watch vis-à-vis du régime de Kigali. Et il le résume avec quatre phrases qui sont extrêmement intéressantes. Premièrement, permettez EZ, hein, là on parle l'impératif, permettez le retour des partis génocidaires. Deuxièmement, n'interdisez pas leur idéologie. Troisièmement, contentez-vous de juger quelques génocidaires et oubliez leurs complices étrangers. Quatrième et dernière proposition, admettez que vous ne valez pas mieux qu'eux. Ça m'a frappé ce résumé parce que, en fait, ça résume aussi Hubert Védrine,
ça résume le négationnisme d'État français d'une façon extrêmement claire, comme les Américains savent le faire. La 20e commémoration du génocide des Tutsis et du massacre politique des Hutus démocrates a été bien sûr l'occasion de montrer que nos connaissances avaient encore été un peu plus loin dans la compréhension du génocide, de son contexte, de ses mécanismes, de ses complicités. Mais c'était aussi l'occasion de mesurer en France le progrès en matière de coordination et donc d'efficacité d'une nébuleuse négationniste qui s'est assez bien structurée. Colloque provocateur au Sénat le 1er avril, réédition au format poche du pamphlet raciste de Pierre Péan, Noir Fureur, dossier spécial de Marianne du même Péan pour tenter de ressusciter la posture bruguère, intervention du duo Guichaoua-Vidal dans les médias, hurlement de feinte indignation de Paul Quilès, Alain Juppé, Hubert Védrine, Laurent Fabius, etc. après l'interview de Paul Kagame accusant Paris de participation au génocide, et tentative de ces prétendus défenseurs de l'honneur de la France de provoquer une nouvelle glaciation diplomatique entre Paris et Kigali. Et en guise de feu d'artifice, évidemment, l'audition d'Hubert Védrine par la commission de défense à l'Assemblée nationale, audition supposée constituer une sorte de droit de réponse de la représentation nationale au bilan critique de la presse, opération parachevée récemment à La Haye par le même Hubert Védrine, et toujours avec des mots aimables à l'égard de notre confrère Patrick de Saint-Exupéry. Cependant, l'élément le plus fort du rassemblement négationniste reste la note de 35 pages, diffusée comme par hasard le 6 avril au matin sur le site de l'Institut François Mitterrand, intitulée « Le rôle de la France au Rwanda en 1990 ». 1994. C'est un petit texte que vous pourrez très facilement trouver sur Internet. Vous n'avez qu'à googliser Institut François Mitterrand, le rôle de la France au Rwanda. Il est acrobatisé, mais vous pouvez facilement le récupérer. Et il constitue un plaidoyer, à la différence de son titre, un plaidoyer dont les auteurs sont supposés être un groupe d'experts, sans en dire plus sur ce groupe d'experts, qui... en quelque sorte, vont résumer le discours convenu du négationnisme d'État en France. Qui sont ces experts? On n'en sait pas plus, comme d'habitude, ce sont de courageux anonymes, même si par moments on sent le parfum du Guijaoua numéro 5, c'est quand même essentiellement du Védrine pur jus. Alors, ce texte, c'est ce qu'on appelle... dans le langage des spin doctors, c'est-à-dire des manipulateurs de l'opinion, un storytelling du négationnisme d'État, c'est-à-dire un moyen de continuer à tenter de contrôler l'opinion publique selon les méthodes d'un homme qui était un grand ami d'Hubert Védrine, Jacques Pilan, dont je vous invite à relire les exploits dans ce très beau livre qui s'appelle « Le sorcier de l'Élysée » et qui raconte comment, mis au service de François Mitterrand, puis presque... au même moment de Jacques Chirac, il a évincé de la course à la présidence de la République le Premier ministre Édouard Balladur, et comment il a réussi à tromper l'opinion sur bien des points. Il y aurait matière à un autre exposé à ce sujet sur les origines de tout ce groupe négationniste autour d'Hubert Védrine et de Pierre Péan. Vous le savez sans doute, mais c'est la tentative de dissimulation des liens entre François Mitterrand et René Bousquet qui a fédéré ces hommes en 1993 à la veille de l'apparition de plusieurs livres sur Vichy, sur René Bousquet et sur le passé vichyste de François Mitterrand, une très grande opération de désinformation orchestrée par Hubert Védrine en personne, cherchant à la fois d'ailleurs à exempter son père Jean Védrine, ami de Jean Bousquet, dans toute cette affaire. Et puis également François Mitterrand, qui était le principal intéressé. On va donc oublier ça, on en parlera une autre fois, et on va évoquer ce rôle de la France au Rwanda en 1990-1994.
Alors évidemment, c'est une série de mensonges, de désinformations, de manipulations, de mensonges par omission. On va le parcourir extrêmement vite, hein, mais on n'a pas le temps de faire plus. Mais vraiment, je vous invite à le lire parce que c'est un texte vraiment intéressant. Alors, première proposition qu'on va vouloir démonter, la France aurait soutenu au Rwanda un régime dictatorial et ethniste dans le but de préserver sa zone d'influence en Afrique. Évidemment, la réponse est non, et vous l'avez compris. Et d'ailleurs, ce président est un bon président puisque nous écrit le groupe d'experts, en décembre 1988, ce même président, on parle d'Abyarimana, est élu avec 99,98% des voix. Je cite, hein, c'est en haut de la page 5 du document que vous reprendrez. Bon, on a envie de rire, évidemment, qu'on trouve ce genre d'argument. Et on ajoute que les autorités françaises estiment que pour éviter une déstabilisation du pays, une solution doit être trouvée au problème des réfugiés tutsis. Alors on cherche la référence, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de référence, jamais les autorités françaises n'ont cherché une solution au problème des réfugiés tutsis avant l'attaque du 1er octobre 1990. Alors on ajoute que, avant même l'offensive du FPR, sous l'effet des pressions françaises et de la ligne de la Baule, le président Abyarimana commence à changer de politique, encore un mensonge. Si Abyarimana a commencé à changer de politique, c'est parce que le pape Jean-Paul II venait au Rwanda en septembre 1990 et c'est lui qui a fait le ménage dans une église du Rwanda qui était à la solde du pouvoir, qui était une église d'État. Il avait exigé auparavant, c'était une condition impérative pour la visite du pape, que l'archevêque de Kigali ne soit plus membre du comité central du parti unique. Il a refusé d'aller au Rwanda jusqu'à ce que cette proposition soit mise en œuvre par l'église du Rwanda. Donc vous voyez que le pape avait nettement plus d'influence que Védrine prétend que Paris avait à cette époque. Et il parle donc de l'attaque du Front patriotique, alors évidemment avec la sempiternelle explication, avec le soutien de l'armée ougandaise. Alors on retrouve ça sur l'ensemble du texte, puisque ça va être, on va dire, le storytelling massif de l'ensemble du discours négationniste, mais d'abord du discours de justification de la présence militaire française au Rwanda. Sans doute, effectivement, Kampala a soutenu le Front patriotique comme le Caire soutenait le Front national de libération algérien pendant la guerre d'Algérie. Ça ne veut pas dire pour autant que l'armée égyptienne avait attaqué l'armée française en Algérie. Alors ensuite, on nous annonce toutes les pressions exercées par la France, notamment au moment où quelques 8000 personnes sont arrêtées arbitrairement lors de l'offensive du FPR. Il y a quand même le mot arbitraire. On oublie de préciser que les soi-disant pressions françaises pour la libération de ces détenus étaient essentiellement des pressions belges. Également, le rôle du colonel Roussatira, le commandant de la gendarmerie rwandaise, qui a refuser que les gendarmes rwandais exterminent ces 8 milliers de personnes. Que souhaitait la France? Eh bien, d'après toujours ce storytelling, la Baule, une nouvelle constitution, une opposition intérieure dynamisée. Tout le monde sait que cette proposition est fausse, que c'est bien l'opposition intérieure au Rwanda qui va arracher les premières concessions au régime Abyarimana. Tout le monde sait également que pendant toute cette période, jusqu'en 1994, cette opposition va être ignorée, marginalisée par les autorités françaises, jusqu'à l'assassinat, évidemment, du Premier ministre Agathe Uwilingiyimana. Alors, bon, on fait vite parce qu'on est déjà à la page 9 ou 10. On invoque le témoignage de Faustin Twagiramungu qui, évidemment, dit que la France a bien fait. Il le dit beaucoup plus tard, en 1998, il a oublié de préciser qu'au mois d'avril 1994, lorsque un gouvernement génocidaire a été constitué à l'ambassade de France, prétendument pour se plier aux accords d'Arusha, c'est lui qui aurait dû être Premier ministre. Non seulement on l'a oublié, mais on l'a laissé se débrouiller pour sauver sa vie avec l'aide de la MINUAR. À aucun moment on ne l'a consulté pendant les premières semaines du génocide. La France était-elle opposée à tout accord de paix avec le FPR? La méthode Védrine, c'est de lancer des propositions un peu caricaturales pour définir l'adversaire et évidemment pour y répondre plus facilement. J'ai jamais lu que la France était opposée à tout accord de paix, mais j'ai pas lu non plus que
le processus de négociation était engagé avec la vigueur qui est décrite dans le document par Hubert Védrine et son groupe d'experts, hein, mais c'est peut-être démultiplié, et qu'à Arusha, c'est pratiquement toujours Jean-Christophe Béliard, qui était seulement conseiller d'ambassade, qui suivait les négociations de paix. L'ambassadeur de France ne s'y intéressait pas, les ministres français guère plus. Et si les accords ont avancé, c'est parce qu'il y avait un ensemble de représentants de la communauté internationale, de l'OUA, de la Belgique, de la France, des États-Unis, etc., qui se sont penchés sur le berceau des accords de paix. Alors, on nous rappelle également que le 8 février, la PR lance une violente offensive après des massacres de Tutsis perpétrés dans le nord du pays. Au moins, pour une fois, on le dit. Parce que c'est pas si fréquent, il faut reconnaître que de temps en temps, il n'y a pas un mensonge dans le texte, mais une petite vérité. Là, on respecte le principe de causalité, c'est effectivement la suite des massacres de Tutsis organisés par le régime que l'armée patriotique est sortie de sa zone de cantonnement. La crise suivie par les autorités françaises a visé à mettre fin le plus vite possible à la présence militaire française au Rwanda. On n'a même pas envie de répondre à ce genre d'arguments. Alors je fais vite parce que mon temps est relativement court, et j'en viens à la question de la coalition pour la défense de la République, puisque on va nous prétendre que la coalition pour la défense de la République s'était amendée et qu'il était indispensable qu'elle fasse partie du gouvernement de transition à base élargie, et que la France, si elle a appuyé cette demande, c'est parce que la coalition pour la défense de la République avait promis que dorénavant elle appellerait à la paix. Au même moment, d'ailleurs, la coalition pour la défense de la République et ses médias, notamment la radiodiffusion d'Émile Colline, ne faisaient que radicaliser leur discours, mais cette radicalisation passait pour une atténuation aux yeux de l'ambassadeur de France et évidemment de la cellule Afrique de l'Élysée et de M. Védrine. La France n'est pas, d'après Hubert Védrine, soucieuse de préserver sa zone d'influence en Afrique. Et pourtant, il le dit un petit peu plus loin, on va sauter quelques pages, parce qu'il y a une citation de Hubert Védrine qui est particulièrement intéressante. Voilà ce qu'il dit, il se cite lui-même. Hein. Du coup, on ne peut pas dire qu'il n'a pas choisi la bonne citation. La politique française à l'égard de l'Afrique était donc de soutenir les aspirations démocratiques des Africains, sans ingérence dans leurs conflits intérieurs, tout en leur garantissant la sécurité face à d'éventuelles menaces extérieures. Hubert Védrine a résumé en ces termes le volet sécuritaire de cette politique devant la mission d'information parlementaire de point de vue. Le président François Mitterrand estimait que la France devait assumer un engagement global de sécurité à l'égard de ces pays, qu'il y ait accord de défense ou qu'il n'y en eût plus, comme au Tchad, d'une part parce que cette politique permettait aux pays africains de se contenter de budgets militaires très faibles, donc quand on connaît les budgets militaires du Rwanda, évidemment on peut se poser des questions, et donc de consacrer plus de ressources à leur développement, d'autre part parce que dans ces régions toujours menacées par l'instabilité, il considérait que laisser où que ce soit un seul des régimes légalement en place être renversé par une faction, surtout si celle-ci était minoritaire, c'est vrai qu'elle ne faisait pas 99,98% des voix, et appuyée par l'armée d'un pays voisin, on en revient au même argument, suffirait à créer une réaction en chaîne, alors là j'attire votre attention, suffirait à créer une réaction en chaîne qui compromettrait la sécurité de l'ensemble des pays liés à la France et décrédibiliserait la garantie française, fermez les guillemets. Ce qu'on nous ressort, c'est la théorie des dominos, qui a déjà servi pour l'intervention américaine au Vietnam avec le succès que l'on sait, et qui est une variante évidemment du syndrome de Fashoda, dont Hubert Védrine prétend cette fois, à la différence de la mission d'information parlementaire, que ce syndrome n'a jamais été dans l'esprit de François Mitterrand. Alors évidemment, il y a des petites modifications par rapport à la mission qu'il laisse, dont ce texte prétend être une version résumée. Ce n'est pas une version résumée, c'est une version encore affadie d'un rapport qui lui-même était terriblement affadi par rapport aux auditions et aux différents travaux de la mission d'information parlementaire. Entre-temps, il s'est passé l'enquête Bruyère. Alors, Hubert Védrine a comme un petit peu de savoir-vivre, il n'ose pas citer l'enquête Bruyère dans ce document négationniste, mais il a mieux maintenant.
Il cite l'enquête du juge Mireles, le juge d'instruction espagnol. Juge d'instruction madrilène, qui, enquêtant sur l'assassinat d'Espagnol, etc., délivra un mandat d'arrêt international à l'encontre de 40 militaires. Il résuma ainsi dans son texte les objectifs politiques du FPR. Bon, je vous les épargne, mais c'est la même chose que l'ordonnance Bruguière. C'est-à-dire que tout est de la faute du Front patriotique qui est en fait responsable de l'autogénocide des Tutsis. Les négationnistes ont fait leur petit mondial à eux. Quand l'équipe de France Bruguière ne marche plus, on trouve l'équipe espagnole dont on sait ici qu'elle est fondée presque entièrement sur l'enquête Bruguière qu'elle reprend mécaniquement. Alors, il y a encore des passages très intéressants dans ce dossier, mais je vais attirer votre attention sur un seul. C'est la question de M. Paul Baril. Alors, évidemment, ils n'osent pas ne pas aborder la question de Paul Baril. Ils vont l'aborder d'une façon très intéressante et très originale, comme vous allez pouvoir le constater dès que j'aurai retrouvé la page. Donc Paul Baril, vous le connaissez tous, hein, c'était donc un proche de l'Élysée, mais qui, pour le coup, là, intervenait comme vendeur d'armes. Alors oui, Paul Baril, qui était évidemment mis en cause dans l'attentat du 6 avril 1994, et donc vous savez qu'il devait publier un livre de révélation depuis le mois de janvier dernier, qui a été reporté de semaine en semaine. La dernière fois, il a été reporté au 10 juin, il n'est toujours pas paru, et on pense qu'il ne paraîtra jamais. Alors, c'est une façon... C'est dommage, je ne retrouve pas la page, mais on va... Voilà. C'est Baril qui l'a volé. Voilà, voilà, le petit passage, il est assez court. Je cite ce document de M. Védrine. « Quant au rôle exact joué au Rwanda par l'ex-capitaine de gendarmerie Paul Baril et sa société secrète, souvent évoqué par des articles fantaisistes, celui-ci reste à préciser. » Voilà. Vous comprenez que c'est un argument assez fort hein, dans cet ensemble. Alors je vais conclure là parce que j'ai peut-être dépassé mon temps de parole en me demandant qu'est-ce que tous ces gens cherchent. Qu'est-ce que cherchent des gens comme Hubert Védrine, Alain Juppé, etc. par cette crispation négationniste si intéressante. Alors il faut d'abord se mettre à leur place. Ce ne sont pas les personnages inoxydables qu'ils prétendent être, même si Hubert Védrine est certainement l'homme qui a le discours le plus policé. Ce sont quand même des gens qui ont peur. Ils ont peur, comme on vous l'a dit, parce que ces crimes sont imprescriptibles. Il faudrait qu'ils comparaissent un jour devant une cour d'assises pour rendre compte de leur rôle réel dans l'ensemble de cette crise et de leur complicité dans le génocide des Tutsis et le massacre politique des Hutus démocrates. Qu'est-ce que cherche Alain Juppé, c'est clair. Depuis des mois, il se voit président de la République et il a un fil à la patte qui s'appelle le Rwanda parmi d'autres. Hein. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, il voudrait bien se débarrasser de celui-là. Et justement, Hubert Védrine lui propose de l'aider à s'en débarrasser pour une raison extrêmement intéressée. Vous le savez peut-être, mais Hubert Védrine a soutenu Juppé sur l'intervention en Libye qui était contestée au sein du Parti Socialiste et il s'est fait fort d'avoir obtenu l'accord du Parti Socialiste à l'opération sur Benghazi et le reste. Et aujourd'hui, il espère avoir le retour, évidemment, de Monet. Et si Alain Juppé est un jour président de la République, qu'il soit, lui, ministre des Affaires étrangères, car le rêve d'Hubert Védrine est de rester quasiment à vie ministre des Affaires étrangères. C'est raconté dans un petit livre que je n'avais pas lu avant de publier le mien, un livre de Daniel Rondeau, l'ancien journaliste et diplomate, qui s'appelle « 20 ans et plus, journal 1991-2012 », qui est paru au début de cette année. Il y a un très bon index, vous irez voir tout ce qu'il y a sur le nom de Védrine. Et il dit des choses vraiment intéressantes à son ami, enfin celui qui pense être son ami Rondeau. Bon, pour Guy Chawa, pas grand-chose à dire, c'est un mégalomane. Je pense que c'est le moins intéressant de la bande. Quant à Pierre Péan, il s'est englué dans un processus d'hystérisation négationniste autodestructeur. On en voit pratiquement le bout. Hubert Védrine reste évidemment le chef d'orchestre plus ou moins clandestin de tout ça, de moins en moins clandestin parce que il est obligé de monter au créneau, la situation devient de plus en plus délicate, les informations de plus en plus précises, les trous dans les documentations de plus en plus criants. On espère bien un jour qu'on pourra assister à son procès. Je vous remercie. Vous comprenez maintenant pourquoi j'en appelle à votre sérénité, à votre humanité.
Je m'attendais à un pavé dans la mare, mais peut-être pas aussi poussé. Je passe la parole maintenant à François Robinet, qui est universitaire. Donc on a eu le témoignage de trois témoins directs, de trois journalistes, qui sont maintenant davantage des historiens même que des journalistes, parce que les ouvrages qu'ils écrivent chacun sur la question rwandaise sont des ouvrages de référence que je vous invite à consulter à la sortie de cette salle. François Robinet est universitaire et se penche, lui, sur la responsabilité des médias, je crois, dans la propagation de ces thèses négationnistes. Oui. Alors, en tant qu'universitaire, mon travail portait plus précisément sur la couverture médiatique des conflits africains depuis 1994. Donc, par ce biais, évidemment, la manière dont les médias français ont couvert du génocide en 1994 m'a intéressé au plus haut point. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait une conférence universitaire que je viens faire. C'est le propos qui m'a été demandé dans une dizaine de minutes par Alain. En fait, va prolonger un peu la réflexion de Jean-François Dupaquier, puisque j'ai décidé de repartir, effectivement, d'un certain nombre de discours politiques qui ont été assez fortement médiatisés lors des commémorations. Et je voudrais citer quelques passages qui me semblent bien compléter l'intervention précédente. Notamment commencer par des passages d'un article d'Alain Juppé, un article titré sur son blog « L'honneur de la France » et qui a été repris par un certain nombre de rédactions françaises. J'en ai tiré quelques citations. Je vous les soumets. « Il est rigoureusement faux que la France ait aidé en quelque manière les auteurs du génocide à préparer leur forfait. Il est rigoureusement faux que la France n'ait pas dénoncé le déclenchement du génocide en le qualifiant en ces termes mêmes. Quant aux accusations portées contre notre armée, elles sont tout simplement honteuses. Nos soldats ont exécuté strictement la mission qui leur avait été assignée, je coupe. Ils l'ont fait avec le courage et la discipline qui les caractérise. Je me souviens de l'accueil enthousiaste que leur ont réservé les centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui les ont protégés. » Deux jours plus tard, sur Europe 1, Édouard Balladur, cette fois-ci, qui est interrogé par Jean-Pierre Cabache, qui lui demande est-ce que la France est acteur ou complice finalement de ce génocide. Et Édouard Balladur nous propose pour réponse la phrase suivante. « La France n'est en rien complice du génocide. Au contraire, elle est de tous les pays du monde, le seul, qui ait pris l'initiative d'organiser une opération humanitaire pour éviter un massacre généralisé. » Il ajoute tout de même. Et cette opération a permis de sauver quelques dizaines de milliers de vies, ce qui n'est pas grand-chose compte tenu de l'ampleur du génocide. Deux jours plus tard, Gérard Longuet, qui appelle le ministre de la Défense à rétablir la vérité, car c'est l'honneur de nos soldats qui est en jeu. Alors je crois que les points communs entre ces différentes prises de parole ont déjà été plutôt bien montrés, à savoir qu'il s'agit d'un refus de toute mise en cause du rôle de la France dans cet événement, au nom, soi-disant, des faits et de la vérité historique, au nom de l'honneur, alors de la France, de nos soldats, enfin, une série de la démocratie, enfin, toute une série de possibilités, et puis au nom aussi d'un débat qui aurait été déjà tranché en décembre 1998, au moment où la mission d'information Kilas a rendu son rapport. Le tout dans une posture d'indignation, le tout avec un appel à une réaction de l'exécutif. Réaction de l'exécutif, manifestement, ses propos ont porté, puisque cette réaction de l'exécutif ne tarde pas. Le 9 avril 2014, déclaration de politique générale de Manuel Valls, reprise par l'ensemble des agences de presse, et là je cite la dépêche Reuters, qui nous dit « Je n'accepte pas les accusations indignes qui pourraient laisser penser que la France ait pu être complice d'un génocide au Rwanda, alors que son honneur, c'est toujours de séparer les belligérants. » Le même jour, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, repris par la même dépêche Reuters, qui souligne le rôle exemplaire joué par Paris à l'époque. Et enfin, le lendemain, enfin, je m'arrête, mais il y en avait d'autres, le jeudi donc, 10 avril, c'est un message donc, de Le Drian aux armées, qui a été largement répercuté d'abord par Le Figaro, puis par d'autres rédactions, qui souligne que l'opération turquoise est à mettre au crédit de la France et que c'est l'honneur de la France et de ses armées d'avoir agi avant les autres, d'avoir réagi au drame qui se déroulait sous le regard d'une communauté internationale impuissante. Alors évidemment, ces propos sont prononcés dans un contexte particulier, celui des commémorations. Ils sont prononcés aussi en réaction aux accusations de Paul Kagame dans Jeune Afrique, puis lors des commémorations le 7 avril. Et puis n'oublions pas aussi, dans un contexte qui est celui de l'engagement des soldats français en Centrafrique, et je pense que c'est pas complètement anecdotique de le signaler. Mais il n'empêche, ce qui m'interroge, et c'est pour ça que je vais proposer peut-être un petit peu de recul historique, c'est de comprendre comment de tels propos qui finalement refusent de prendre en compte la documentation qui actuellement a été étudiée,
refuse de prendre en compte un certain nombre de témoignages, refuse de prendre en compte les ouvrages historiques qui ont déjà été écrits sur cet événement, comment ne suscite-t-il pas plus d'indignation? Ils ont suscité des réactions, il ne faut pas exagérer, mais globalement, c'est une indignation qui reste quand même circonscrite à un milieu bien informé, alors qui certes est de plus en plus large, heureusement, mais voilà, c'est cette question qui... sur laquelle j'aimerais vous apporter quelques éléments de réflexion ou de dialogue, et puis aussi peut-être sur les articulations possibles avec d'autres discours négationnistes. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en venir ici, mais je crois que ce que vous avez présenté déjà tous les trois, vous avez fait ces liens et ces ramifications. Alors, prendre un peu de profondeur historique, parce qu'à mon avis, je crois que c'est Colin Brinkman qui le disait déjà tout à l'heure, si ces propos ne paraissent pas à l'ensemble de la population française qui peut-être s'en fout, comme complètement illégitime et comme susceptible de provoquer l'indignation, c'est aussi du fait de ce qui a été proposé à l'opinion française en 1994. C'est-à-dire du fait de la couverture médiatique proposée au moment des faits. Alors je ne vais pas revenir sur l'ensemble de cette couverture. On peut distinguer plusieurs phases. Une première phase, effectivement, où on couvre principalement l'opération Amaryllis d'évacuation des ressortissants français et étrangers, avec énormément de confusion sur la nature des massacres, sur la responsabilité des différents acteurs. Donc en gros, une phase qui dure une grosse semaine. Ensuite, du 15 avril au 15 mai, globalement, c'est plutôt une phase de silence des médias français. C'est ce que certains ont appelé le trou noir de l'information. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne trouve rien, on trouve des dépêches d'agence, on trouve quelques montages, on trouve quelques commentaires sur l'image, mais en fait des productions qui ne permettent pas vraiment de rendre l'événement intelligible, alors même que sur le terrain, au Rwanda, on est au cœur même du génocide. Fin avril, début mai. Et puis, à partir de la mi-mai, on peut considérer qu'on a une inflexion, avec un certain nombre de journalistes qui, sur place, commencent à identifier la nature des massacres, à utiliser le terme de génocide. Alors évidemment, Patrick de Saint-Exupéry pour les médias français, Colette Breckman et Marie-France Caux qui est en Belgique ont utilisé le terme aussi même un petit peu avant que leurs confrères français. On pense à Renaud Girard, votre collègue aussi du Figaro qui était présent sur place. Donc des informations commencent à filtrer. Et on a une sorte de cadrage qui domine, qui est celui en gros de la préoccupation humanitaire. On commence par exemple dans les photographies à voir des jeunes enfants rescapés avec des bandages sur le crâne, des bandages au bras, et donc une montée de la préoccupation humanitaire qui résulte aussi d'ailleurs de la communication de Bernard Kouchner, de Philippe Douce de Blasi, hein, qui sont sur place à Benako, je crois que vous l'aviez accompagné d'ailleurs à ce moment-là. Et donc, petit à petit, on peut penser que, alors c'est toujours difficile de mesurer les effets de ces productions, mais qu'il y a eu un début de sensibilisation de l'opinion française, avec en plus des ONG qui commencent à monter au créneau pour mettre en cause le rôle joué par Paris avant le génocide et au début de celui-ci. Et là, à la mi-juin, vous avez un nouveau tournant, qui est en gros le tournant du début de l'opération turquoise. Avec là des politiques qui vont reprendre les choses en main, donc l'opération turquoise est décidée officiellement au Conseil des ministres le 15 juin, peut-être un petit peu avant, et vous avez une intense communication politique et militaire qui va se mettre en place un petit peu avant le déclenchement de l'opération, puisque l'opération se déclenche le 21. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à partir du 21 et quasiment jusqu'à la mi-août, le récit principal qui domine l'actualité française est finalement le récit d'une mission salvatrice, à savoir la mission salvatrice organisée par la France pour arrêter les combats, s'interposer entre les belligérants dans une position de neutralité. Et vous avez compris à quoi ça fait référence. Ça fait référence à un grand récit national, où la France, de manière régulière, est positionnée finalement dans le rôle du sauveur, sauveur de victimes, qui là vont très vite devenir les réfugiés en majorité hutu qui fuient vers le Zaïre, inversement des responsabilités, pour empêcher ces populations d'être massacrées, puisqu'elles fuient les combats, elles fuient l'avancée du FPR qui du coup est considéré comme la principale menace, nouveau renversement des responsabilités, et puis aussi pour essayer de sauver cette population face à un mal qui la menace, à savoir le choléra. Et vous voyez, je pense que si les récits que j'ai cités dans mon préambule ne suscitent pas plus d'indignation, c'est aussi parce que dans un certain nombre de mémoires, et peut-être dans la mémoire de la majorité de nos concitoyens, sont ancrées aussi des images qui montrent les soldats de l'opération turquoise, principalement dans leur rôle humanitaire,
à proximité des victimes du choléra, à proximité de jeunes enfants qui sont en train de sortir ou de monter du camion, avec au passage des images qui nous sont repassées en 98, en 2004 et parfois encore aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'est un élément que je vous livre, c'est-à-dire que ces propos qui sont extrêmement éloignés des faits tels que nous les connaissons aujourd'hui, ils s'inscrivent aussi dans des représentations qui ont eu le temps de se stratifier. Et c'est cette stratification qu'il me paraît intéressant d'essayer de dégager. Alors vous allez me dire, mais depuis 1994, voilà, il y a quand même eu énormément de travaux qui ont été faits, des journalistes qui ont travaillé également. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mieux déconstruit, finalement, ces opérations de communication politique qui ont été mises en place en juin, juillet et août 1994 et qui servent encore les propos d'un certain nombre de nos responsables politiques? Alors, je saute quelques passages sur les apports des journalistes. Je suis désolé, mais je saute ce passage-là, on y reviendra peut-être, parce que voilà, les médias, on en fait souvent le procès. Il est important aussi de souligner qu'à certains moments, entre 1994 et 1998, par le biais de certains ouvrages, Jean-François Duplaquier et Colette Brickman, vous êtes au premier rang des ouvrages qui ont été publiés dès 1994-1995. Patrick de Saint-Exupéry, à travers vos enquêtes publiées en Une du Figaro en janvier 1998, c'est vrai que la collecte des faits, la collecte des témoignages, la collecte et l'exploitation des documents doit beaucoup à un certain nombre de journalistes, et je crois que c'est important quand même de commencer par là. Une fois qu'on a dit ça, il est important de voir l'autre volet, l'autre versant, à savoir comment un certain nombre de journalistes, volontairement pour certains d'entre eux, de manière peut-être un peu candide ou naïve pour d'autres, ont continué à véhiculer le récit qui avait été dominant en juillet, août 1994. Et là aussi, je vais simplement vous soumettre quelques moments, ou quelques exemples. En 1998, suite notamment aux quatre sujets que vous faites paraître dans le Figaro, est mise en place donc la mission d'information parlementaire, lors de laquelle vont être entendus Édouard Balladur, Alain Juppé, Léotard, et puis Michel Roussin. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Alors globalement, leurs propos vont être relayés par la presse, mais très souvent déconstruits, par vous-même, par Rémi Ourdan. Sauf que dans certaines rédactions, leurs propos, qui sont des propos de dénégation de toute responsabilité de la France, et à nouveau, on affirme l'honneur, la fierté d'avoir accompli cette opération turquoise, sont parfois relayés par certaines rédactions sans aucune distance critique. Vous réécouterez notamment France Inter, l'émission de France Inter, le 11 mai 1998, aucune distance, on reprend les propos de ces quatre personnalités quasiment telles quelles. Deuxième exemple, décembre 1998. Le moment où Paul Quilez vient présenter les conclusions du rapport. Alors ce rapport, vous l'avez souligné, hein, on l'a souligné aussi ce matin, avec effectivement des avancées qui sont conséquentes, mais sur France 2, lorsqu'il est l'invité de Claude Sirillon, Paul Quilez souligne principalement que c'est un génocide qui ne concerne pas la France. Citation telle quelle, ce qui a permis d'ailleurs à Claude Sirillon d'ouvrir son journal télévisé par le titre suivant « La France disculpée ». Vous voyez, ça aussi, ça s'imprègne dans les imaginaires, dans les mémoires de nos concitoyens. En 2004, je ne vais pas développer cet aspect, mais Le Monde, dès mars 2004, avec Stephen Smith, a entamé une opération, de communication un mois avant les commémorations, pour introduire les premières, soi-disant, conclusions de l'instruction du juge Bruguière et recentrer ou essayer de centrer le débat autour de l'attentat et de la soi-disant responsabilité du FPR dans cet attentat, puisque si le FPR finalement est responsable de l'attentat, on considérera qu'il est aussi responsable du génocide, et finalement les autorités françaises de l'époque repassent du bon côté. Donc vous voyez, tout ça, je crois que c'est quand même très étroitement connecté, et ça sert finalement à un récit qui a une certaine cohérence, même si entre ces différents acteurs on peut aussi trouver des éléments de divergence. Et puis enfin, depuis 2004, notamment dans les années 2005-2006, vous avez eu un grand nombre de publications. Alors on a cité Pierre Péan, on a pu citer Jacques Hogarth, qui trouvent aussi une réception, parfois bienveillante, dans les médias français. Et cette réception bienveillante permet de poursuivre, de consolider, de renforcer encore les strates sur le récit qui avait été véhiculé et construit en juillet, enfin à partir de la fin juin 1994. Alors, tout ça pour aller un petit peu vers une conclusion. Je sais que c'était pas mal d'éléments, mais je pense qu'il y a un dialogue qui va s'instaurer avec la salle et on pourra essayer d'approfondir. Je crois qu'en dépit des apports des médias français sur la connaissance de l'événement, des apports qui sont réels,
Un grand nombre d'éléments d'approximation, de confusion, voire de désinformation subsistent du fait des discours qu'ils ont véhiculés et portés en 1994, de la manière dont ces discours et ces récits ont été réactivés, parfois donc volontairement ou involontairement, et puis aussi parce que très souvent, face à des discours d'hommes politiques qui sont considérés comme crédibles et comme légitimes, un certain nombre de journalistes se contentent de rapporter. C'est aussi une partie du métier, hein, d'ailleurs, de rapporter de manière neutre. On va voir dans les deux camps, ce qui peut d'ailleurs poser problème aussi. Et donc, vous voyez, dans les pratiques journalistiques, dans les habitudes journalistiques, il y a aussi un certain nombre de biais qui parfois amènent à considérer que le propos de telle ou telle personnalité politique n'a pas à être mis en contexte, n'a pas à être déconstruit. Et c'est ce qui peut poser problème quand c'est reçu ensuite par des personnes auxquelles on n'a pas enseigné le génocide à l'école, effectivement, ou alors ponctuellement des essais, des tentatives de personnes qui le font, mais globalement c'est assez rarement au programme, c'est une toute petite place, voire une petite ligne dans les manuels, même si c'est en train de changer un tout petit peu. Mais vous voyez du coup comment vous pouvez ensuite vous-même déconstruire. Alors, vous allez me dire, il y a des publications, il y a des livres qui ont été publiés. Oui, d'accord, mais on voit bien comme c'est difficile de publier sur un sujet et d'être lu par un grand nombre, parce que... Il y a tout un tas d'autres sujets. Et je voudrais juste finir par un dernier point, j'ai un peu quitté mon propos, mais en gros c'est un appel à la vigilance, un appel à la vigilance sur la manière dont les conflits récents sont traités. Parce que finalement, le Mali ou la Centrafrique, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer à nouveau de construire le même récit? Il est bien pratique ce récit entre les sauveurs, nous, les victimes, bon, peu importe, on essaie de faire en sorte, et puis les bourreaux, ça fonctionne. Pour le Mali, ça fonctionne, pour la Centrafrique, dans des contextes qui sont radicalement différents. Il faudrait vraiment qu'on les décrypte très précisément. Mais voilà, l'enjeu, c'est que ces récits médiatiques ont des usages stratégiques. Et ces usages stratégiques, on les a vus en 1994, et on s'est souvent fait piéger. Et je crois que ces récits médiatiques à usage stratégique, ils sont encore mobilisés aujourd'hui dans un contexte démocratique, mais dans un contexte démocratique où nos soldats sont engagés soit en guerre au Mali, soit dans un contexte de guerre en Centrafrique. Voilà. J'imagine que ces interventions vont susciter chez vous beaucoup de questions, beaucoup de réactions. J'aimerais beaucoup que ce soit uniquement des questions, si c'est possible. Et pour un temps limité, on va les prendre pendant quelques minutes. Au terme d'un quart d'heure d'échange, nous passerons au café. Alors j'ai une question pour Colette Bricklin. À propos de La Baule et Mitterrand, la presse d'armes avec Patrick de Saint-Exupéry, et j'ai lu quelque part que vous avez été le témoin de la suite de la presse d'armes au moment où Mitterrand est avec ses conseillers et reparle de ça. Est-ce que vous voudriez bien nous raconter en quelques mots ce que vous entendez à ce moment-là? Oui, c'est-à-dire que nous étions à la conférence, c'était à Biarritz, et donc en séance plénière, Patrick de Saint-Exupéry pose la question, il obtient la réponse qu'il vous a dite du président, et puis le président sort entouré, comme on dit, d'une nuée de journalistes, et il y a mon collègue de la RTBF, de la radio belge, qui essaie de le suivre, de lui obtenir une dernière phrase, et qui le suit avec une longue perche, donc une longue perche avec un micro au bout, et il y a cette espèce de cohue. Mais nous, on n'arrive pas tout près, mais la perche, oui, accompagne le président au moment où il entre dans sa voiture. Et puis, bon, il entre dans la voiture, enfin, la portière, c'est fini. Et puis, mon collègue revient, rebobine sa bande et il écoute ce que le président disait en montant dans sa voiture. Il ne répondait pas aux questions, il parlait à un de ses conseillers et il disait « Ah, tu vois, ce journaliste, je l'ai quand même bien nu ». Je lui ai quand même bien répondu, il n'a pas dit ce connard, mais enfin, excusez, c'était quelque chose de ce genre-là. Il dit, je l'ai quand même bien lu. Et donc on a réécouté la bande et on s'est dit, mais c'est dingue, mais quel mépris extraordinaire de quel mépris témoigne à l'égard de la presse. Quoi. Ça, c'était des propos qu'on a saisis un peu par hasard. Alors maintenant, on va prendre plusieurs questions d'affilée. Madame, je sais que vous voulez poser une question depuis plusieurs heures, donc allez-y. Ensuite, Maître Jeune, et puis ensuite vous, si vous voulez bien. Ah, je pensais à... Excusez-moi, je n'avais pas vu les deux. Vous savez. Je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'UCRA, on avait travaillé en 97-98 déjà sur le Rwanda. Et la question que je voulais poser, qui est importante, c'est que je reviens sur ce que j'avais dit, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, en Belgique, j'avais déjà
des documents et des informations qui passaient en France. Et il était dit, puisque vous parliez justement de l'opération Turquoise, que les militaires avaient déjà, donc c'était bien, et là je vous remercie d'avoir remis les choses en place et d'avoir jeté un pavé dans la mare, parce que ça fait des années qu'on essaie justement de tirer les sons du passé de cette époque-là. Et la question c'était qu'il y avait des cartes d'identité, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà connu, sur les cartes d'identité qu'avait l'opération Turquoise, était indiqué Tutsi. C'est très important à signaler. Donc avec ça, on peut prouver, parce que moi j'avais vu dans ces documents, j'avais eu la preuve, on peut prouver qu'effectivement ça a été quand même, je dirais, vu que Mitterrand était au courant. Alors je voulais savoir, est-ce que vous étiez, vous, est-ce que vous avez ces documents, est-ce que vous êtes au courant de ces cartes d'identité où il est indiqué Tutsi, et ça permettait justement aux militaires de pouvoir dénoncer les Tutsis et de les mettre de côté pour les assassiner, ou tout de même pour je dirais... Je vous remercie. Les Tutsis, on parle bien de Rwanda. Je vous remercie, madame. On parle bien de militaires français au Rwanda. Votre voisine avait une question aussi à poser. Madame. Bonsoir. 20 ans après, nous parlons des Tutsis aujourd'hui, alors qu'on voulait savoir, on n'a pas su. Actuellement, il y a des petits feux qui s'allument avec le Boko Haram, le déplacement des populations dans le lac Tchad et tout ça, Centrafrique, Cameroun, une partie du Nigeria et le Tchad lui-même. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'attendons-nous de tout cela? Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants de lui? Alors, si les questions pouvaient porter sur le thème de la conférence, ce serait très bien. Nous parlons de la question de la négation du génocide de Tutsi au Rwanda, s'il vous plaît. La prévention aussi de ce qui est en train d'arriver. C'est facile de dénoncer après. Voilà. Apprenons qu'il faut agir là. Bonjour, et d'abord, je commencerai par vous remercier. On a fait l'ICRA. Et j'ai énormément apprécié vos interventions. La première question que je me suis posée tout à l'heure au moment du déjeuner, est-ce que nous, les victimes et les rescapés, aurions-nous réussi nous-mêmes, ici en France, parce que nous sommes aussi français, à combattre le négationnisme seul? Personnellement, je pense que non. Deuxième question, donc les négationnistes sont parmi nous, avec nous, très souvent. Nous ne disposons peu des moyens pour lutter. Comment faire de manière unie ou complémentaire pour continuer à lutter cela? Personnellement, il y a des moments où je me sens très démunie. Autre question, tous ceux qui sont ici, moi j'ai failli tomber dans ce piège-là. Faites attention parce qu'un négationniste, c'est quelqu'un qui est très subtil, hein, qui sait où il va. Qui va jouer justement très souvent avec cela. Je terminerai enfin, moi j'ai posé mes deux questions, j'ai terminé. Je vais compléter l'information qui a été donnée par Patrick de Saint-Exupéry. Donc il y a une différence entre les Hutus que je salue et auquel je rends hommage, qui a été assassiné. La différence est importante pour la suite. Il s'agit bel et bien d'un génocide des Tutsis. Les Hutus qui ont été décimés ont été décimés parce qu'ils défendaient les Tutsis. Ces différences-là, il faut qu'elles soient comprises et qu'elles soient vraiment précises parce que ça peut nous porter préjudice pour les victimes et les rescapés parce qu'il y a une confusion dans la mentalité française en général et dans les gens qui veulent comprendre la particulier. Merci. Je vous remercie. Je suis désolé, nous n'allons pas pouvoir prendre d'autres questions. Moi, je sais que... Qui? Mais une vraie question. Alors, juste une question très courte. Voilà. Je voudrais d'abord préciser vraiment. Pour ceux qui sont... Non, une question, s'il vous plaît. Je pense que la première partie de cette question. Parce que la question qui a été posée sur pourquoi on s'en fout. Moi, je posais la question autrement. Pourquoi on s'en fout? Vous ne vous en foutez pas. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à être aussi vigilant? Sous question, dans le sens, j'étais mis là-dessus, vous avez préfacé un livre sur exterminer toutes ces luttes, sous titre
à la source de, du génocide du Vietnam. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait ajouter un deuxième sous-titre aux sources des négationnismes du XXe siècle? Pourquoi est-ce qu'au discours n'en prend pas? C'est peut-être que tout le monde est contaminé. C'est parce qu'on a le négationnisme qui est prêt à être écouté. Deux questions. Je vous remercie. Sur les. Je suis désolé, maître. On a vraiment très peu de temps, on a déjà. Écoutez, c'est pas la peine de faire semblant, de faire participer la suspense. Si il faut supplier. Donnez la parole à maître. Il faut supplier. Bon, allez, vas-y, passe, pose ta question. Non, on a déjà une heure et demie de retard et j'aimerais que la table ronde suivante ne fasse pas trop de retard. Écoutez, oui, donc je vais raccourcir. Mais franchement, j'écoute très attentivement les débats qui ont lieu. Et j'écoute en particulier chacun de vos interventions. Madame Breitman, vous nous dites en résumé que le négationnisme est un acte de guerre et qu'il s'accompagne du génocide lui-même. Monsieur Dupaquier, vous nous dites que ce négationnisme est scandaleux et il est même ridicule dans la bouche d'Hubert Védrine. Monsieur de Saint-Exupéry, vous nous dites il est compréhensible, non pas que vous l'approuvez, mais c'est compréhensible dans les circonstances. Quant à vous, M. Robinet, vous dites c'est normal que les médias répercutent les positions des politiques. Eh bien non, je regrette. Le négationnisme, c'est peut-être tout ce que vous décrivez, mais c'est d'abord un délit. Et pourquoi il n'y a pas un juriste à cette table pour dire pourquoi on ne poursuit pas alors que l'ensemble des pays de l'Union européenne ont décidé par une décision cadre de 2008, du 28 novembre 2008, de contraindre tous les États européens à adopter une législation qui réprime le négationnisme, y compris le négationnisme du génocide des Tutsis. Et personne n'a réagi, personne ne l'a fait, alors que la date limite était le 23 novembre 2013. Et personne ne s'insurge contre cela. On trouve ça très normal. Alors on nous explique que pour la France, c'est compréhensible parce qu'elle est mise en cause. Mais il y a quand même d'autres pays qui ne sont pas mis en cause, qui sont de l'Union européenne et qui n'ont rien fait. Alors pourquoi? Et pourquoi vous en occupez pas? Donc ça, c'est une question qui s'adresse à l'ensemble de la salle, c'est ça? Je crois qu'on a partiellement répondu à votre question à propos des lois mémorielles, mais on y reviendra peut-être plus tard. Sur la première question sur les cartes d'identité, qui est un point très factuel, l'un d'entre vous veut-il répondre? Je voudrais dire une petite chose sur les cartes d'identité, parce que c'est un problème qui m'a intéressé avant même l'attaque du 1er octobre 1990, et dans l'événement de jeudi, j'avais écrit un article justement sur ce problème des cartes d'identité. Ce n'est pas vraiment un article, c'est un encadré dans un article sur les Grands Lacs. Et quand j'étais très choqué par ces cartes d'identité, et j'avais des amis Tutsi en France qui possédaient des cartes d'identité. Et donc j'aurais demandé de me prêter une carte pour la reproduire. Eh bien, personne n'a accepté parce qu'on avait un peu honte de ce marquage ethnique, et puis peut-être qu'on craignait aussi que si on reproduisait la carte, même en caviardant le nom, on arrivera à savoir qui a prêté la carte, et ça pourrait causer des ennuis à son propriétaire. Et puis, vous savez, les journalistes ne sont pas différents des autres hommes. Moi, quand j'ai entendu, fin 90, que le régime s'engageait à supprimer les cartes d'identité ethnique, eh bien, j'ai cru qu'effectivement, c'était en cours, et après, j'ai pu reparler de la question, parce que personne n'en parlait plus. Par contre, je vous signale que dans le document négationniste que j'évoquais à l'instant, eh bien, on explique que finalement, si ça ne s'est pas fait, c'est la faute à pas de chance, et que ça aurait dû être le travail d'Agathe Uwilingiyimana, la première ministre depuis 1993, et que si elle ne l'a pas fait, ben, c'est un peu de sa faute, la France n'y est pour rien. Sur la question sur la prévention des génocides éventuels à venir au Mali, au Nigeria, au Tchad, je pense que là, ça sera l'objet d'une autre rencontre, ça dépasse de loin de cette conférence, on a entendu votre propos. Sur la question de comment lutter efficacement contre le négationnisme seul, évidemment, ou en commun, est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole, indiquer quels sont. J'indique encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais
il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont disponibles dehors, dont la bande dessinée que vous avez publiée, Patrick Mazin-Duperry, qui s'appelle La Fontaine des Dieux, qui est publiée aux éditions des Arènes, qui est, une, à mon avis, un ouvrage très accessible, y compris pour les plus jeunes, pour découvrir ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais sur vos engagements respectifs, sur la lutte contre le négationnisme? Non, pour lutter contre le négationnisme, il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est la connaissance. C'est la connaissance, c'est le récit de l'événement, la connaissance peut permettre de lutter contre le négationnisme, mais cette connaissance doit être multiple, c'est-à-dire que là on voit bien sur le Rwanda, on ne voit pas tout juste 20 ans plus tard, au moment où l'université, d'une manière générale, commence à se saisir un petit peu plus de ce dossier, il aura fallu à peu près une vingtaine d'années. De manière générale, après il y a toujours des exceptions. Mais seule la connaissance, il n'y a pas d'autre moyen. Et cette connaissance doit être multiple et sous différentes formes. Vous parliez de bande dessinée, mais il y a aussi les travaux universitaires qui ont été faits, les travaux de journalistes, les romans, les témoignages qui ont été publiés, qui sont nombreux. Enfin, je ne vais pas citer quand même toute la production saine, enfin normale, sur le Rwanda, mais il y a quand même des témoignages qui ont été publiés, des romans qui racontent, qui posent un certain nombre de choses, des travaux historiques, des travaux... en bande dessinée, voilà, mais seule la connaissance permet de lutter contre le négationnisme. On ne peut pas, vous me reprochiez implicitement, monsieur, de comprendre, de rentrer dans une compréhension du négationnisme. Mais malheureusement, on en est bien obligé, et on sait bien que ce n'est pas parce qu'on essaye de comprendre le mode de fonctionnement de cette mécanique qui amène au négationnisme que, évidemment, non, on ne partage pas. Mais on est bien, ça s'appelle la connaissance, on est bien obligé de rentrer dans la connaissance de l'élaboration d'une pensée pour pouvoir la contrer, la discuter. Non, c'était des termes un peu... C'était des termes un petit peu rudes. Le mot reproche aussi est rude, mais les termes étaient un petit peu rudes. Mais pour discuter d'une pensée, ou de quelle que soit sa nature, il faut rentrer dans sa compréhension et dans sa connaissance. Et le décret ne suffit pas. C'est-à-dire que... Tout le monde ici, bien entendu, est contre le négationnisme. Mais la prise de position ne suffit pas parce que c'est une mécanique qu'il faut démonter. Et si le négationnisme s'impose de manière aussi inéluctable après chaque génocide, c'est qu'il y a des invariants qui amènent à l'élaboration de cette pensée. Et donc il faut absolument s'y attaquer pour vraiment rentrer dans la compréhension. Mais moi, ce n'est pas tellement la compréhension du négationnisme que je trouve intéressante. C'est bien plus la compréhension des mécanismes qui peuvent mener au génocide. Ce qui est aussi le deuxième axe essentiel pour contrer le négationnisme. Et comment parvient-on à cette élaboration de mécaniques qui arrivent au génocide? Et là, c'est aussi un axe qui me paraît essentiel. Enfin, c'est surtout un axe qui me paraît essentiel. Je peux juste ajouter un mot sur ce point. Toujours pour répondre à votre question, je pense qu'un des enjeux importants désormais, c'est, en tout cas au niveau français, c'est l'enjeu de la formation. La formation dans les collèges, la formation dans les lycées, la formation aussi à l'université, parce qu'actuellement, c'est un événement qui occupe une place complètement marginale en fait, dans cet enseignement. Donc si on veut lutter contre le négationnisme, il faut qu'effectivement le récit historique tel qu'il est consolidé soit présenté et enseigné correctement aux jeunes générations. Et puis, peut-être pour compléter aussi ce que vous venez de dire, je crois que c'est Raphaël Dobidon ce matin qui évoquait la complexité. Enfin, d'abord, la diversité en fait, des approches entre les artistes, les littéraires, les universitaires, les journalistes, les témoins directs ou indirects, mais qui tous apportent finalement une forme de savoir sur l'événement. Et peut-être que l'intérêt, c'est de jouer la complémentarité en fait, de ces savoirs en dépit de temporalités qui peuvent être différentes en fait, dans l'accès à la connaissance et la diffusion de ces connaissances. Et donc, c'est peut-être par ces collaborations, qui sont déjà largement annoncées, hein, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est à construire, qu'on pourra aussi lutter plus efficacement contre les discours négationnistes et essayer de les marginaliser ou de les faire disparaître. Dernier mot à Mme Brackmann.
Merci beaucoup. Non, je voudrais revenir sur le fait qu'on peut lutter contre le négationnisme par la connaissance, mais aussi par la vigilance. Et là, c'est l'affaire de tout le monde à tous les instants. Je pense que certains propos ne sont pas tolérables. Des propos, des plaisanteries, des erreurs de langage. Et donc, moi, en tout cas, personnellement, ni dans la presse, ni même dans les conversations, je n'accepte pas que l'on dise certaines choses devant moi. Je reprends les gens systématiquement. Je dis non, on ne peut pas renvoyer tout le monde dos à dos. Non, il y a eu le génocide des Tutsis du Rwanda, et puis après, il y a eu des crimes de guerre, des massacres, autre chose. Mais ce n'est pas la même chose. Et on doit revenir, il y a une sorte de pédagogie que l'on doit exercer tout le temps dans des conversations avec des amis, ou même en voyage. Moi, je voyage beaucoup en Afrique, et je passe mon temps à reprendre mes interlocuteurs en disant non, attention, vous ne pouvez pas tout confondre, tout n'est pas du pareil au même, ce n'est pas la même chose. Et on doit tout le temps redresser la barre, et en tout cas en Belgique, ça commence à se faire maintenant, cet effort de pédagogie où des victimes rwandaises vont témoigner dans les écoles, où la communauté française de Belgique a acheté des livres de récits de ce qui s'est passé, qui sont massivement diffusés dans les écoles, qui donnent lieu à des discussions et tout ça, pour que la jeune génération comprenne dans les termes exacts ce qui s'est passé et qu'elle emploie les mots justes, parce que je crois que c'est à la base qu'il faut agir, et que chacun d'entre nous, on ne doit rien laisser passer, et que même dans la presse, quand il y a des approximations, quoi, il ne faut pas hésiter, il faut réagir, il faut envoyer le courrier des lecteurs, ça existe, on ne peut pas laisser passer, voilà. C'est la seule façon, la vigilance, de lutter aussi contre le négationnisme, et que, comme je le dis, est une façon de prolonger la guerre par d'autres moyens. Merci à vous. On n'a pas répondu à votre question, mais je propose que les intéressés répondent à votre question autour du café qui a lieu dans 20 minutes et qu'on reprenne, si possible, vers 17h. On va prendre le café. Alors, ceci étant, je vais présenter quand même cette table ronde. J'avais prévu d'être un peu plus disert que d'habitude, parce que je ne le suis pas, mais que ce que je pensais faire. Étant donné que Catherine Coquillot nous a fait faux bond, alors je ne pouvais pas prétendre la remplacer, loin de là l'idée. Mais développer un tout petit peu le thème, d'autant plus qu'il est assez insolite pour la plupart d'entre vous, sans doute il est inattendu et mérite un semblant ou un commencement d'explication pour introduire le débat. Alors Virginie Brinker enseigne la littérature comparée à l'Université de Bourgogne, pour moi c'est une régionale de l'étape. Littérature comparée veut dire pour elle en particulier tout ce qui concerne l'écriture du génocide des Tutsis. Sa question actuellement, qui donnera lieu en octobre à un colloque interdisciplinaire à Dijon, est celle de l'enseignement du génocide. La littérature, l'art en général, sont-ils capables de porter une parole non mythique, non mensongère? On a entendu tout à l'heure combien il y avait de paroles mensongères dès qu'il s'agissait du génocide, des mensonges voulus ou non voulus, mais il est très difficile de dire le vrai, qui n'est pas simplement un vrai factuel. Donc une parole non mythique, non mensongère, là où la parole politique en particulier est souvent mensongère, là où la parole historienne, et je repense aux questions de ce matin de Raphaël Maison en particulier, là où la parole historienne conceptualise et généralise, laissant échapper, ou risquant de laisser échapper, c'est plus prudent de le dire comme ça, le singulier de l'événement. Éric Hoppenot enseigne la littérature à l'ESPE, c'est-à-dire l'École supérieure du professorat de l'éducation de Paris. C'est pour ceux qui connaissent cet auteur, un spécialiste de Maurice Blanchot, sur lequel il dirige un cahier de l'herbe qui devrait paraître en octobre. Septembre. Ah, c'est encore mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas Maurice Blanchot,
Et pour introduire les questions que nous allons évoquer dans cette table ronde, je dirais qu'en 1980, Blanchot va nommer désastre, au sens de ce qui rend impossible la réalité sidérale où s'ordonne l'univers, ce qui est à penser de plus profond dans le fait humain. Et la modalité la plus significative du désastre est, pour Blanchot, l'Holocauste. On ne disait pas encore la Shoah à cette époque. Nous pressentons, dit Blanchot, nous pressentons que le désastre est la pensée. De ce désastre, cependant, je voudrais dire, pour terminer d'introduire notre discussion, qu'un auteur du tout début du XXe siècle, Joseph Conrad, dans Le cœur des ténèbres, paru en 1902, en avait imaginé la version africaine, celle qui nous interpelle aujourd'hui. À telle enseigne, et ça, ça va vous parler, pour ceux qui ne connaîtraient pas Conrad, à telle enseigne que Francis Ford Coppola se servira de cette référence pour tourner son chef-d'œuvre en le transposant au Vietnam, Apocalypse Now. Je lis trois phrases de cette extraordinaire nouvelle qui dit que le plus exotique de l'horreur nous est le plus proche, nous est le plus intime. Le narrateur remonte en bateau le fleuve, le Congo probablement, et s'enfonce dans les profondeurs de la forêt vierge, et il aperçoit sur la rive une horde de sauvages, dit-il. Et, je cite, « là, on découvrait le monstre en liberté. Il était surnaturel et les hommes étaient... Non, ils n'étaient pas inhumains. Voyez-vous, c'était là le pire, ce soupçon qu'on avait qu'ils n'étaient pas inhumains. On y arrivait petit à petit. Sans doute, ils hurlaient, bondissaient, faisaient d'affreuses grimaces. Mais ce qui saisissait, c'est le sentiment qu'on avait de leur humanité, pareille à la nôtre, la pensée de notre lointaine affinité avec cette violence sauvage et passionnée. Je demandais tout à l'heure avec Virginie Brinker si la littérature et l'art étaient capables d'une parole non mensongère sur le génocide. Ne faut-il pas aller jusqu'au point de dire derrière Blanchot ou derrière Conrad, dont je viens de prendre les exemples, que sans eux, sans la littérature et l'art, il n'y aurait aucune parole de vérité possible sur ce que nous appelons de ce nom infiniment équivoque et difficile de génocide. Je vous laisse développer l'un et l'autre peut-être cette question à votre manière, ou bien entendu, si vous le souhaitez, simplement la contourner. Alors, qui veut commencer? Virginie, voilà. Bonjour à tous, merci à vous, merci à la LICRA de cette initiative aujourd'hui. Alain nous a demandé de réfléchir à la question du disciple par les œuvres, et justement lorsque l'on pose la question de la fiction, on pose inévitablement celle du disciple, problème éthique qui rejaillit sur l'esthétique des œuvres. Mais derrière le terme d'un disciple, puisque c'est le pendant du disciple, se cache en fait deux réalités éthiques bien distinctes peut-être. L'horreur du vécu des victimes et l'atrocité de leur souffrance, d'une part, et le mal radical auquel se livre le génocidaire, abîme contre lequel la compréhension du sujet ne peut que se heurter, d'autre part. Ce n'est pas la fiction dans ses rapports au vécu des victimes, au fait que j'aborderai ici, pour aujourd'hui en tout cas, certaines fictions orchestrant d'ailleurs magistralement ce questionnement en s'inclinant devant le témoignage et la parole des victimes, comme Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, l'auteur sénégalais que Colette Breckman a cité tout à l'heure, ou bien La promesse faite à ma sœur de Joseph Nwanyé. Ce n'est pas non plus à la fiction, elle-même conçue comme un fantasme, souvent nécessaire pourtant, non pas forcément pour s'efforcer de dire le génocide, comme peut le faire le témoignage, mais peut-être pour le conjurer et se guérir des faits. Ce n'est pas à elle que je m'intéresserai là, mais je pense à un ouvrage, un roman d'un rescapé qui est paru, que vous connaissez tous, le rescapé en tout cas, Vénus Kaimae, la chanson de l'aube qui est parue cette année et qui est en vente dehors. Et à la tentation du merveilleux qui anime ce roman. Je m'intéresserai donc plutôt à la deuxième réalité que recouvre l'indicible, le mal radical auquel se livre le génocidaire, et plus exactement le fantasme qui l'anime
et donc à la fiction face à ce fantasme, en tant qu'elle le thématise dans certaines œuvres, mais aussi en tant qu'elle propose peut-être de construire à travers elle une éthique de la réception, en se méfiant d'elle-même, en nous proposant à nous, lecteurs, de nous méfier d'elle-même, de la fiction, et des propres fantasmes qu'elle peut faire naître à son tour. Alors ce fantasme génocidaire et du discours génocidaire, il est mis en scène, excusez-moi, dans plusieurs fictions. On part du pastiche, peut-être là les exemples de Waberi, Moisson de crâne, ou bien Boubacar Boris Diop, encore une fois, Mourambi, le livre des ossements, le montre bien. Ce pastiche du discours génocidaire, il passe par évidemment des choses rhétoriques bien connues, à commencer par les questions rhétoriques, un il anonyme, sujet d'un éternel nous, complément d'objet, soumis, passif, etc. Une rhétorique qui fonctionne, et on l'a très bien vu tout à l'heure, bien décortiqué, une rhétorique qui fonctionne sur l'inversion des postures des bourreaux et des coupables. Ce pastiche-là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que finalement, soit, en gros, il est parodié, c'est-à-dire que le discours d'escorte des fictions est très net. On voit les prises de position idéologiques, alors c'est très clair dans le cadre de Mourambi, avec la parole qui est donnée aux miliciens Interahamwe et Faustin Gassana, où le registre satirique est très présent, où le seul argument qui pourrait être logique dans le cadre d'une pensée génocidaire, à savoir le génocide préventif, il faut les tuer parce que sinon eux nous tirons, ce seul argument-là est complètement démonté par tout un arsenal d'arguments qui sont des arguments ad hominem, donc qui attaquent les personnes elles-mêmes, sans fondement convaincant, si vous voulez, ou les pseudo-théories scientifiques, bibliques, analytiques, tout ce que vous voulez. Donc, soit ce raisonnement, ce pseudo-raisonnement génocidaire est montré par le satirique et donc parodié, soit il se fait de façon plus subtile, et c'est là que l'éthique de la réception me semble pouvoir être construite. Je pense là à Moisson de crâne, donc de Waberi, et à la nouvelle Cavalcade. Cette nouvelle se présente finalement sans aucun discours d'escorte au départ. On ne sait pas qui parle. Un discours est reproduit. L'énonciateur n'est pas visible. Petit à petit, au bout de quelques lignes, on nous parle des femmes venues d'Abyssinie. Et pour un lecteur averti, on peut comprendre alors qu'on est dans la tête à ce moment-là d'un génocidaire Hutu. Et puis petit à petit, évidemment, les choses vont être plus nettes, avec des apostrophes faites au peuple agraire, au peuple de la houe, etc., etc. Donc on reconnaît là le discours. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Waberi, par ce choix-là, de ne pas mettre tout de suite à distance le récit génocidaire, le fantasme génocidaire, permet peut-être de le réfléchir, surtout lorsque l'on pense à l'intertextualité. Waberi est friand de l'intertextualité, notamment avec la Bible, et Cavalcade peut évoquer l'Apocalypse dans le livre de Daniel, par exemple, avec ce roi du Nord qui arrive avec ses cavaliers pour éradiquer le roi du Midi, donc le roi du Nord, pseudo Amit, etc., etc. Donc par cette convocation-là, subtil de l'intertextualité, encore une fois, le but est de nous mettre en alerte, nous lecteurs, de nous dire qu'il va falloir réfléchir, relire plusieurs fois de suite la nouvelle pour mieux comprendre. Et on peut voir évidemment les applications didactiques, puisqu'il a été beaucoup question de l'école, comme impensé pour l'instant, en tout cas en France. On peut voir l'application didactique de ces discours. Parfois, les choses sont encore plus subtiles et font appel à encore plus de secondarité critique du lecteur. Donc, comme pour nous dire que reproduire le fantasme du génocidaire, une fois qu'on s'en est moqué, une fois qu'on l'a mis à distance et une fois effectivement qu'il a pu être détruit par ces armes-là de la satire, eh bien ça ne suffit pas. Il faut évidemment nous mettre dans une posture où on va pouvoir le décrypter en acte. Et je crois que certaines fictions s'emploient à le faire. Parfois, donc, je disais, je pense à la chanson de l'Aube de Vénus de Calimae, le discours
discours de l'éradicateur, il est appelé ainsi, celui donc qui va à un moment donné opérer ce qui est nommé dans le roman un prêche face à la population Hutu pour la galvaniser alors que l'APR finalement gagne du terrain. À ce moment-là, ce prêche opéré par l'éradicateur, Venuste Kaimae a savamment orchestré les choses pour que plus haut on sache effectivement que tous les arguments, parce que là ça fait froid dans le dos, parce que les arguments pour nous, bien sûr, humains en tant que tels, ne sont pas recevables. Mais il y a argumentation logique, il n'y a pas satire, il y a pseudo-raisonnement, il y a tout un arsenal, comme le disait tout à l'heure la dame, justement, d'éloquence et de bien dit, qui fait qu'on a froid dans le dos. Or, c'est l'effet de composition narrative du roman qui a montré le personnage de l'éradicateur comme quelqu'un d'essentiellement mu par une ambition personnelle qui va permettre de discréditer après coup son discours. Donc vous avez compris un petit peu l'enjeu. Je ne vais pas multiplier les exemples de cette posture de secondarité critique qui est recherchée chez le lecteur. Simplement, il y a aussi peut-être une autre volonté qui apparaît, me semble-t-il, de façon plus prégnante encore dans Au sortir de l'enfer de Jean-Marie Vianney-Rourangois, qui est que autant le fait de reproduire le fantasme génocidaire dans les autres fictions pouvait montrer la justification impossible de ce fantasme, autant il y a donc dans Au sortir de l'enfer une volonté d'expliquer d'où vient ce fantasme. Et le personnage qui est choisi par Rourangois, c'est un personnage qui est Hutu, qui s'appelle Théodore, qui n'a pas participé lui-même au massacre, mais qui a assisté de façon, en tant que témoin oculaire direct du massacre de son collègue Philibert Tutsi, par son propre frère. Et ce discours opéré donc par quelqu'un que l'on pourrait situer dans une forme de zone grise, parce que le discours de Théodore est très ambigu. À la fois, il n'a pas commis le meurtre, il n'essaie pas de s'en distancier. À la fois, le discours qu'il tient est celui de nous, ou tout, nous voulons, etc., etc. Mais il y a ironie, malgré tout. N'empêche que dans cette volonté d'expliquer, Théodore passe par un certain nombre d'arguments qui, au final, ne trouve aucune réponse. C'est-à-dire que toute la tirade, si on peut parler ainsi, passe par des formules du type « il y a eu génocide parce que »,« il y a eu génocide parce que », etc. Et au fond, la seule réponse qui est abordée, au final, ça va être celle d'une nature humaine finalement mauvaise que l'on retrouve, donc qui n'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir remporter l'adhésion du lecteur. On ne va pas à si peu de frais répondre à cette question comme ça. Et donc finalement le discours explicatif de Théodore finit par quelque chose qui est de l'ordre du rappel du comment plutôt que du pourquoi. C'est-à-dire que petit à petit, la tirade glisse vers les moyens de l'éradication, l'utilisation du viol comme arme systématique du génocide, etc., on l'a dit. Donc du comment plutôt que du pourquoi. Et cela peut nous interroger en tant que lecteur, parce que justement, Jean-Marie Vianney-Rourangois a écrit un ouvrage didactique en 2000, « Le génocide des Tutsis, expliqué à un étranger ». Il y a clairement dans cet ouvrage une volonté didactique qui est rappelée, qui est de dire il est impossible finalement de parler du génocide au Rwanda si on ne tente pas d'expliciter le contexte. Or, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette volonté didactique-là échappe complètement au locuteur qui est censé la prendre en charge dans la fiction. Et ce qui est donc intéressant, c'est que finalement, puisque tout doit se dérober, puisqu'il y a une part irréductible qui ne peut être dite, qui ne peut être expliquée, alors finalement on tombe peut-être sur ce qui peut être l'utilité la plus importante de l'art et des fictions dans nos sociétés. Parce que ce n'est pas
une impasse dans laquelle on tombe. Ce n'est pas il y a l'indicible. Et finalement, cet indicible-là fait que, eh bien alors, on peut se cacher, on le disait, pourquoi pas, derrière des discours négationnistes, hein, pour certains, en disant, oh, c'est compliqué, c'est l'incompréhension, donc on va continuer à, finalement, en penser ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Ce n'est pas une impasse à laquelle on arrive, mais au contraire, une volonté d'aller chercher plus loin, d'aller s'interroger et de montrer que si le projet finalement didactique échoue, c'est peut-être en permettant de diffuser ses œuvres, notamment dans les classes, de montrer comment le fait qu'elle questionne toute la façon de dire sans parvenir à le dire, et pourtant poursuivre le but de dire, j'espère que vous me suivez, et bien c'est dans ces trois dimensions-là, finalement, que l'on va pouvoir construire un lecteur averti, lutter contre le fantasme peut-être, et en tout cas essayer une forme de prévention. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Je remercie Alain et la LICRA de cette invitation. Je vais donc essayer de vous parler de la question du désastre dans ces fictions génocidaires, puisque c'était après maintes discussions délicates la demande d'Alain. J'étais assez réticent, pour tout vous dire, à traiter de cette question, parce qu'elle est particulièrement difficile, et la notion de désastre chez Blanchot est quelque chose de particulièrement complexe, qui ne se réduit pas à la question de l'apocalypse, de l'effondrement. Mais bon, finalement, après quelques réflexions, j'ai quand même un peu relevé le défi. Donc je vais vous parler de deux livres, essentiellement de La falaise des collines, de Kutsi Lamko, et puis un petit peu de Inyanzi, ou les cafards de Scholastic Mukasonga, à travers donc une lecture de cette notion de désastre telle que l'envisage Blanchot. Je vais volontairement un peu caricaturer les choses, j'ai essayé de vous donner un certain nombre d'éléments. La première chose, peut-être, c'est que le désastre ne se réduit pas à envisager un événement comme le cataclysme de l'histoire, mais à faire de l'écriture elle-même un lieu où le désastre se manifeste comme tel. C'est-à-dire que plus qu'une écriture de survivant, le désastre est le lieu de l'énonciation du revenant. C'est une langue fantomatique, fantasmatique, qui a incorporé la voix des disparus. Le désastre est l'écriture où s'enfouissent dans une crypte de cendres, pourrait-on dire, les cendres, pardon, de ceux qui sont sans sépulture. Littérature qui est à la fois testimoniale, testamentaire parce que testimoniale. Il n'y a ni espace ni temps précis qui puisse véritablement accueillir le désastre. Et c'est pourquoi il y a des désastres, c'est parce qu'il n'y a pas de lieu véritable d'accueil pour cette manifestation. Mais le présent, donc, dans cette écriture du désastre, est le temps de la revenance. Ce moment où le temps lui-même peut faire retour, mais comme pulvérisé évidemment par la catastrophe, par l'horreur. Ainsi, selon Blanchot, on pourrait dire que l'apocalypse a toujours déjà eu lieu. Du désastre met en scène une véritable privilégie généralement le fragment, l'écriture brisée. La fin d'ailleurs de La falaise des collines est essentiellement fragmentaire. Scholastique Mukasonga elle-même utilise à un certain moment l'écriture fragmentaire. Le fragment, pourquoi ? Parce qu'il mime le débris, il échappe à toute volonté chronologique, à tout rassemblement, et il dit aussi l'incommensurable de la perte et son ressassement. Il déconstruit aussi la possibilité même de toute narration. À cet égard, certaines fictions écrites dans les traces du génocide sont particulièrement significatives. Elles disent le bouleversement de la langue, une langue qui est traversée par l'horreur, confrontée au mutisme,
à son antithèse, une sorte de logoré verbal, dans un balbutiement infini. Donner à toute disparition, à toute sorte de voix, tout à la fois anonyme et singulière, telle pourrait être la tâche de l'écriture du désastre. Les fictions du génocide rwandais, notamment celles qui sont nées dans le projet dont on a déjà parlé aujourd'hui au sein de Fest Africa, sont, me semble-t-il, le lieu de cette horreur. Parmi cette riche production, il y en a une, donc le roman de Kutsilaoukou, La falaise des collines, publié d'abord au Rwanda en 2000, c'est important, puis en France aux éditions du Savion à Lune, et sans doute le plus stupéfiant de ces récits, celui qui expose, à mon sens, une vision exacerbée, hallucinée de l'horreur génocidaire, confrontant son lecteur à une horreur dont il ne sort pas un rêve. Dans sa première dédicace, Lamco désigne son œuvre comme, je cite, une logorée verbale ininterrompue. Si à mon sens Lamco échappe pour une part à la problématique qui touche toute narration du génocide, c'est en vertu d'un traitement poétique singulier où une victime, après avoir été violée, atrocement torturée, se métamorphose une fois morte en phalène pour se faire le témoin de l'horreur. Ainsi Lamco réalise-t-il, à mon sens, d'une manière fantasmatique et fictionnelle, il réussit à incarner la voix de celui qu'Agamben désigné comme le témoin intégral. Le témoin intégral, je cite Agamben, c'est... Agamben, c'est un philosophe. Hein. Non, je le dis parce que... voilà, je cite rapidement une citation. Les vrais témoins, les témoins intégraux, sont ceux qui n'ont pas témoigné et n'auraient pu le faire. Ce sont ceux qui ont touché le fond, les musulmans les engloutis, à ne pas entendre au sens religieux, les musulmans les engloutis, je coupe le texte, les engloutis n'ont rien à dire, aucune instruction ou mémoire à transmettre, ils n'ont ni histoire, ni visage, ni à plus forte raison pensée. Qui se charge de témoigner pour eux, sait qu'il devra témoigner de l'impossibilité de témoigner. Fin de citation. Dans le contexte qui nous occupe, c'est-à-dire d'un corpus d'écrits génocidaires, l'énigmaticité de l'indicible, dont Virginie a essayé de caractériser certains traits importants, ne se réduit pas à définir l'indicible comme ce qui n'accéderait pas au langage. L'indicible, ce n'est pas ce qui ne se raconte pas. Car dans ces littératures, l'indicible, c'est une véritable technique. C'est un art du langage, c'est une poétique. C'est même une stratégie discursive dans laquelle, et Virginie l'a très bien montré, un narrateur, un auteur recherche d'une certaine manière l'adhésion du récepteur en textualisant une sorte d'impossible persuasif. Toute écriture donc génocidaire passe par la narration nécessite d'assumer donc cette figuration pour provoquer l'adhésion de son lecteur. On observerait ainsi que plus la situation est qualifiée, entre guillemets, d'indescriptible, ou d'inénarrable, ou d'indicible, plus paradoxalement, d'une certaine manière, le narrateur prend soin de la décrire aussi minutieusement que possible. Donc, l'écriture fictionnelle, si vous voulez, me semble être une lutte contre l'indicible et non pas seulement le témoignage de quelque chose d'indicible, mais une lutte justement pour faire advenir au langage ce caractère indicible. Si je synthétise les choses, il y aurait là un souci de performativité dans lequel on pourrait lire « Vous ne me croirez pas, mais cela a bien eu lieu. » C'est cela qui a eu lieu. La difficulté donc d'une figuration, d'une représentation de l'indicible, avait été déjà posée par Aristote, hein, il disait dans sa Poétique, pour ce qui est de la poésie, l'impossible qui persuade est préférable au possible qui ne persuade pas. Et donc Agamben invite aussi, enfin réfléchit, sur cette possibilité d'écrire de l'indicible, il dit il faut inventer une sorte de non-langue.
hein, une langue qui n'existe pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que dit Adam Bent sur cette non-langue, mais seulement pour indiquer qu'il me semble que l'AMCO invente bien une langue, une poétique qui lui permet de construire une représentation apocalyptique du génocide et de ses effets. Cette créativité réside essentiellement dans le point de vue de la Falaine, adopté dès le début, parce que tout le récit est raconté du point de vue de ce papillon, qui est la narratrice. Donc voilà ce qui est dit tout au début. « Moi, je suis désormais une Falaine, un énorme papillon de nuit aux couleurs du sol brûlé. Je ne suis né ni d'homme ni de femme, mais de la colère. » Page 13. Ou encore quelques pages plus loin, cette Falaine revendique une nouvelle posture énonciative subversive. Voilà ce qu'elle nous décrit, enfin ce que l'auteur fait dire à sa narratrice, page 54. J'ai décidé d'être hérétique. Cette invention me semble particulièrement féconde parce qu'elle permet à la fois un point de vue monodique qui permet qu'une subjectivité prenne totalement à sa charge un discours, mais plus encore une posture qui est dominante, inatteignable, déshumanisée parce que ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas une femme qui parle, mais c'est une Falaine narratrice. Et en plus, le fait qu'elle puisse voler partout, se poser dans n'importe quel lieu, lui donne évidemment un caractère omniscient, dominant, sur toutes les scènes auxquelles elle assiste. Et voilà d'ailleurs sa position qu'elle indique, page 31. L'on est seul vrai témoin de son histoire. Je vais terminer, si j'ai le temps, par la scène, quelques réflexions sur la scène terrible du viol. On a beaucoup parlé du viol ce matin. La scène principale du récit, donc, qui se trouve dans les premières pages, c'est une scène particulièrement horrible où la reine, donc, qui va devenir la Falaine, est violée dans une église par l'abbé Théoneste. Dans une narration qui, malgré sa violence, n'emprunte, à mon avis, rien du tout à l'œuvre de Sade, notamment parce que, d'une part, l'énonciation est féminine, et d'autre part, parce que la voix est celle de la victime et non celle du bourreau. Et c'est au travers d'un certain paradoxe que se manifeste donc cette énonciation testimoniale, singulière, parce que elle est à la fois morte, elle est à la fois en train de mourir, et là l'auteur a trouvé, si vous voulez, une posture qui lui permette de rendre compte de quelque chose qui est impossible, c'est-à-dire de témoigner de sa propre mort et de témoigner par-delà la mort. L'œuvre de l'AMCO, je terminerai, donc, me semble tout entière une conjuration de l'indicible. L'épopée horrifiée multiplie les voix, les registres, les images. Paradoxalement, dans ce monde génocidaire où l'homme est anéanti, réduit à l'état de reste, la nature, elle aussi, participe à la souffrance. Ainsi, le fleuve Nyabarongo, personnifié en une image maternelle, dans des pages particulièrement lyriques, dont je vous citerai juste de phrases, triste Nyabarongo, floué, trahi, blessé dans son orgueil, son innocence, sa générosité, lui qui avait toujours porté la vie, charrié depuis l'avril fatidique, la mémoire de l'horreur, contre son gré. L'eau a été surprise par d'abondantes menstrues violentes qui lui ont arraché ses ovaires, le fleuve a saigné à flot, fin de citation, page 64. Le génocide donc atteint une proportion cosmique, le chaos charrie des litres de sang et des fragments de cadavres. Je terminerai par ces quelques mots. Ne cherchez pas dans la Falaine des collines, ni l'histoire du Rwanda, ni une chronologie des événements, ni même les événements eux-mêmes. L'écriture du désastre est, comme nous l'a signifié Blanchot, le temps de l'absence de temps. Et rappelons-nous que la Falaine
dit venir de la cité du temps. Je vous remercie beaucoup. Un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'organisation de ce qui suit, parce que je me suis rappelé en écoutant que Eric doit nous quitter relativement tôt, donc il vaut mieux que nous lui posions ce qu'il voudrait, lui adresser une ou deux questions là tout de suite, qu'on le fasse maintenant et qu'on passe ensuite à la dernière table ronde, quitte à revenir avec Virginie ensuite. Toi, tu n'avais pas cette caméra tout le temps. Si, quand même, donc, tu vas rester. alors, est-ce qu'il y a tout de suite des questions? J'ai tout de suite pensé à ce que disait ce matin Marcel Kabanda. Je ne me souviens plus le nom en Kinyarwanda, mais c'est entre deux. C'est nulle part cet entre-deux dans lequel parviennent les rescapés qui est ni mort ni vivant et qui correspond au fond à qui illustre complètement ce que tu disais sur le fantomatique, sur le revenant, sur cette situation de la phalène. Et puis comme on est dans la maison Heinrich Heine, permettez-moi pour essayer d'illustrer le propos sur le désastre, je pense à ce qu'écrivait au XIXe siècle Georg Büchner à la fin d'un petit récit qui s'appelle Lenz. Le personnage dit ceci, je le dis en français, il faudrait le dire en allemand. N'entendez-vous rien? N'entendez-vous pas cette voix effroyable qui retentit sur tout l'horizon et qu'on appelle ordinairement le silence? Alors, ce nulle part, cette voix qui est le silence, mais qui est quand même un cri, est-ce que ce n'est pas, et je pense, moi, en t'écoutant, c'est ce que j'ai entendu de très fort dans ton propos, et cette voix qui retentit, est-ce que ce n'est pas la voix sans voix de ceux qui sont morts, mais qui continuent à parler et qui continuent à interpeller et qui sont finalement, qui nous enseignent finalement que ce que nous sommes au plus profond, c'est cette impossibilité d'être qui nous taraude et dont le génocide nous révèle l'émergence. Mais maintenant, je voulais dire ça pour essayer de faire écho à ton propos, mais peut-être qu'il y a encore une ou deux questions en attendant. Oui, là-bas. Oui, alors une dernière question et puis on passe à la table ronde. Une question. À la dernière table ronde. Mon domaine, c'est la linguistique comparée avec la linguistique, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai pensé à ce que disait Eric, j'ai pensé à Rimbaud, des règlements de présence, une saison en fait, une nation, j'ai embrassé l'eau d'été, et surtout peut-être à plus proche de nous, à Césaire, hein, avec son discours sur le cahier des retours, puis la terrasse. C'est-à-dire une façon de dire les choses où on ne comprend pas grand-chose, on comprend tout. Alors, à propos de Virginie, j'ai pensé plutôt à... On prendra tout à l'heure pour Virginie, parce que... C'est une autre question, en fait, oui. J'ai pensé à Voltaire, au compte philosophique. Le choix, effectivement, du compte, et de tous les moyens critiques, l'ironie, la fausse logique, ce qu'on veut, est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à faire entre les deux? Donc, pour Eric, Rimbaud et Césaire, et pour Virginie, le compte philosophique. Merci. Bon, on répondra peut-être tout à l'heure, mais peut-être un mot, Oui, Rimbaud, Césaire, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, il faudrait creuser la question, mais il y a un des livres, une des fictions, qui cite beaucoup Césaire, tu te souviens de ses moissons de crâne. Et c'est étrange, oui, de voir de quelle manière le texte de Césaire travaille la fiction rwandaise comme un intertexte réitératif, comme une sorte de poème de qui ponctue l'œuvre. C'est une œuvre assez intéressante. Donc oui, effectivement, Césaire, bien sûr. Chez Rimbaud, je ne vois pas cette notion de catastrophe, de... Il y a des éléments de puissance, il y a des éléments de puissance, pour
Oui, oui, dans ce sens, mais ce serait très différent de. Bon, c'est un colloque à venir. Alors, la dernière table ronde, s'il vous plaît. On va essayer d'être bref, même si le sujet qu'on va aborder, moi, me paraît essentiel, mais peut-être le plus nouveau. Concernant les génocides, je l'ai pas parce que vous on a vu qu'il y avait pas mal de points communs entre les différents génocides, mais le génocide des Tutsis au Rwanda a une particularité, c'est que Tutsis et Hutu se doivent de vivre ensemble après le génocide. Après le génocide arménien, beaucoup d'Arméniens ont quitté la Turquie pour aller en France, aux États-Unis, etc. Il en est resté peu en Turquie, et essentiellement dans les grandes villes. Après la Shoah, il est resté très peu de Juifs qui ont vécu en Allemagne, à peine quelques milliers, et dans les pays d'Europe de l'Est, ceux qui y sont restés, notamment en Pologne, mal leur en a pris, puisque dès 1946, les pogroms recommençaient, et en 1968, Gomulka les a chassés. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à étudier le vivre ensemble après le génocide dans ces deux cas. Mais dans le troisième grand génocide du XXe siècle, c'est différent. C'est différent, Hutu et Tutsi doivent vivre ensemble et ont été contraints par certains côtés de vivre ensemble. Alors comment on peut vivre ensemble après un génocide? Donc pour parler de cela, nous avons un ancien lieutenant-colonel de l'armée belge, monsieur de Blinden. Bonjour mon colonel, merci d'être avec nous. Vous vivez ou vous avez vécu longtemps au Rwanda et je pense que vous avez des choses à nous dire sur le sujet. Monsieur de Scherf, vous avez été ambassadeur de France au Rwanda, vous vivez actuellement au Kenya, donc vous avez pu voir ce qui s'est passé après le génocide. Donc je vais vous donner la parole à l'un et à l'autre pour ce sujet sur lequel en France, et Dieu sait qu'on s'interroge sur beaucoup de sujets en France, parfois de manière attentive et passionnée, comme on l'a pu l'entendre, sinon excessive, sur ce sujet, on ne sait pas grand-chose en France, et les Français ne se sont pas vraiment intéressés à ce qui s'est passé là, les tribunaux de la Tchatcha, qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où il n'y a pas eu de génocide, Dieu merci, mais où il y a eu vérité et réconciliation. Donc, merci de nous dire comment vous avez vu les choses et comment ça s'est passé, mon colonel. Donc, je voulais un peu corriger la présentation. Effectivement, j'ai vécu comme enfant en Afrique centrale et au Rwanda. Je suis rentré au moment des indépendances, mais comme un petit gamin. Mais j'ai eu à la table chez mes parents des noms qu'on connaît, le colonel logiste et autres. Mon père était aussi ingénieur polytechnicien. En rentrant, j'ai fait des études avec une bourse. Ingénieur polytechnicien à l'armée et j'ai fait un temps de service au paracommando belge dans l'unité qui a eu 10 soldats tués. Donc je connaissais très bien les acteurs et j'ai quitté, je plaisante parfois en disant comme le Christ pour ressusciter à 33 ans, j'ai quitté le ministère de la Défense et j'ai travaillé 33 ans au CERN à Genève comme ingénieur dans le laboratoire de physique des particules. À Genève, c'était une place où j'ai rencontré énormément de gens, à la fois les gens des commissions des droits de l'homme et à la fois la diaspora rwandaise des réfugiés que je connaissais parce que j'ai fait un an et demi au Rwanda dans le camp dont on a parlé, du Bihogwe, comme ingénieur, mais c'était au moment de la guerre d'Ouganda et tout le pays a été paralysé. Et j'ai démissionné à ce moment-là, c'est le début de ma démission de l'armée. Donc, je suis très bon colonel, plutôt ingénieur, mais... C'est pas incompatible. C'est pas incompatible, non. L'avantage d'avoir continué carrière d'officier de réserve était que le droit de parole est un peu plus facile que pour les officiers d'actifs.
et en Belgique, le droit de parole est un peu plus large qu'en France. Je dis un peu plus large parce que Colette Braquemann vous a signalé que pour le Rwanda, il y a eu des consignes de silence. Alors, le fait de pouvoir parler, il y a trois semaines ou un mois, Jean-François Dupaquier m'envoie un message en disant « Voilà, j'ai proposé ton nom à Alain David pour venir à ce colloque. » Ça se présentait relativement mal parce que je vois qu'il y a un séjour en Europe et j'en fais très peu puisque je vis au Rwanda, que j'ai épousé une Rwandaise et que j'ai deux petits-enfants qui grandissent et qui sont élevés dans ce pays. Mais je crois qu'Alain David a fait confiance à Jean-François Dupaquier. Oui, mais là, il a pris des risques. Je voudrais... Colette Braquemann est une amie qui me connaît très bien dans ma vie au Rwanda et dans ma vie précédente. Elle a parlé de vigilance. Et quand j'ai eu cette invitation, je suis fort en contact avec les équipes de communication des jeunes rwandais qui travaillent autour du ministère des Affaires étrangères et autour de la présidence. Je parle des gens qui font la communication. On est amis, on parle. J'ai dit, je viens à Paris pour cette conférence et j'ai diffusé un peu la présence de cette conférence. Et j'ai reçu des réactions assez étranges. Je me dis, mais comment tu peux aller à l'ANITRA ? Alain Juppé est membre du comité d'honneur. Hein? François Léotard, le message que je veux dire, c'est que là-bas, les gens lisent, savent et connaissent. Et la raison était, j'étais présent à ce moment-là, avant les commémorations. Il faut savoir qu'au Rwanda, la télévision vient par satellite, essentiellement par Canal 7. Et j'étais avec des Rwandais, avec des survivants. On regardait des émissions et on a assisté à ces plaisanteries d'un goût extraordinairement douteux hein, pour nous. Les survivants se sont simplement levés et sont partis. Ils se sont écartés de la télévision. Alors chanter des chansons hein, ou faire des plaisanteries comme ça, ça fait partie aussi du négationnisme. À la même époque, il y avait un débat ici en France sur Dieudonné, hein, et ces plaisanteries d'un goût très élevé. Il y a le même phénomène en Belgique autour de ces plaisanteries. Et là, chanter, fais dodo comme à mon petit frère, papa est en bas, hein, découpé en morceaux, hein, ou d'avoir Cantelou qui parle de carpaccio. Hein, vous savez, avec une machette, on peut faire du carpaccio. Hein. Alors, les réactions ont été mal perçues et mal entendues au Rwanda par rapport à la litra, ça je peux vous le dire. Hein. Et donc on me parle de vivre après, mais les gens vivent avec ça. Hein. Donc c'est des messages. Le Rwanda est connecté et les gens sont capables de suivre les émissions, ce qui se passe en France, en Belgique, aux États-Unis aussi, au Canada. La communication passe très facilement et il y a des bancs. Et il y a des bas. Et donc, l'image de la litra n'est pas positive dans ce que je rencontrais comme gens. Ça semble s'écarter. Oui, parce que ça ne sait pas vivre avec la litra, qui est important, c'est entre Hutu et Tutsi. Comment vont-ils pour vivre ensemble? Voilà. Alors, je partirai avec un mot prononcé aux commémorations. Les fêtes sont têtues. Et je terminerai par ce même fait. Vivre au Rwanda, moi c'est un ménage mixte, donc une famille rescapée, disons, dont une partie le père a été tué au moment du génocide, et on a des contacts avec l'ensemble de la société. Je n'entends jamais parler de Hutu et de Tutsi. Il y a, certains diront un non-dit, ou bien il y a un fait simplement. Accepter que si on veut vivre en société, il faut arrêter de parler de ça parce qu'il y a toute une idéologie qui a été construite depuis 59 et qui a pesé très très lourd sur le pays. Et les gens ont compris. Maintenant, il y a une nouvelle génération. Les jeunes qui sont nés après le génocide ont 20 ans, sont à l'université. Et il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas touchés. Ceux qui sont enfants de génocidaires, dont les pères sont en prison ou autre, ou les pères sont au Congo, etc., savent très très bien ce qui se passe pour leur famille et sont capables de lire et d'entendre.
du côté des rescapés, je dirais ce que je constate, c'est plutôt un silence. Dans ma propre famille, je n'ai jamais, jamais entendu parler du génocide. Ma femme en a parlé deux fois, mon épouse, c'est juste avant la naissance de nos deux enfants. L'anxiété de l'accouchement a fait que soudain, elle a parlé pendant presque 4 heures. Excusez-moi pour l'émotion. C'est ce qui se passe au point. C'est que les gens sont soit incapables de parler ou ne veulent pas parler. Et il y a un espèce de silence et de non-dit. Et c'est pour ça que j'en parlais avec Anne Ford, que c'est parfois difficile à comprendre pourquoi les gens ne s'expriment pas ou pourquoi ils font ce choix. La seule chose, c'est que c'est quelque chose qu'on doit respecter, qu'on respecte, parce que c'est de facto comme ça. Maintenant, en même temps, on dit vivre après. Mais oui, mais je vis et j'élève des enfants avec beaucoup de confiance dans ce pays et dans le développement du pays. L'ambassadeur de chef est venu après le génocide, a vu le changement de ce pays et a pu apprécier. Je voulais en faire quelques commentaires. Moi, j'ai eu confiance dans le fait que le Rwanda se relevait déjà dans les années 98, parce que simplement, il y avait un gouvernement, et je ne parle pas de la personnalité du président, en 98, ça n'avait pas encore vraiment raison, c'est qu'il y a une équipe, un gouvernement, qui gouverne son pays, qui s'occupe des tâches régaliennes et qui a vraiment une décentralisation, ce qui est extrêmement rare en Afrique, extrêmement rare, et que le pouvoir local qui est proche des habitants arrive à résoudre vraiment de très lourds problèmes. Alors, je résumerai ça en disant, le signal a été donné, c'est fini la récréation. Ça semble un peu enfantin de le dire, mais on ne joue plus avec ces affaires de génocide et de Hutu et de Tutsi. On développe le pays, on grandit et il faut s'accrocher. Alors, c'est très difficile pour la communauté des rescapés, on chiffre à peu près à 300 000 rescapés qui ont tout le poids d'avoir survécu, mais il faut avancer. Alors, le gouvernement s'occupe des tâches régaliennes, c'est très clair. Et laisse les administrations locales s'occuper du pays, mais en fixant des objectifs. Et ça se sent. On voit clair, on diffuse les objectifs. Ces objectifs sont très nets. On peut avoir des recours juridiques et administratifs très, très facilement. Ils se sont occupés, mais très convenablement, de tous les problèmes de santé, d'éducation, l'agronomie, les infrastructures, électricité, eau, tous ces objectifs, vraiment, c'est très clair, c'est publié, on annonce ce qu'on fait avec les moyens qu'on a. Mais alors, domine là aussi ce souci de souveraineté du pays et d'indépendance. Il y a beaucoup de gens qui viennent là, dans ce vivre après, pour donner des leçons. Mais je ne sais pas quels sont les gens qui sont experts pour relever un pays après le génocide. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. C'est une expertise, je ne sais pas où elle existe. Mais les donneurs de leçons ne sont pas les payeurs. Et ceux qui agissent, ce que je vois, ce sont des Rwandais ou des gens qui ont une empathie pour ce pays. Alors, vous ne pouvez pas vivre dans un pays sans avoir un certain respect et une empathie. Donner des leçons, mais on a eu toute la période coloniale pour donner des leçons. Et même après la période coloniale, et on ne peut pas dire que le résultat était tellement positif, en tout cas pour le Rwanda. Et donc maintenant, ce souci de souveraineté, de prendre les choses en main eux-mêmes, de gagner une indépendance, quand on fait encore, comme il y a eu la crise du M23, des menaces sur les ressources du pays, si vous ne faites pas ce qu'on dit, on vous coupe les vivres, on vous frappe là où ça fait mal. C'est quelque chose qui atteint, mais profondément, la fierté, et pas simplement d'un président ou d'un gouvernement, de toute la société. C'est quelque chose qui est extrêmement bien compris, et il y a vraiment l'envie, le désir de gagner une souveraineté et d'avoir une certaine fierté de ce qu'ils font en redressant le pays. Donc, j'ai les deux enfants avec mon épouse dans ce pays. J'ai beaucoup de confiance dans ce qui va se passer. Et je crois que pour ceux qui...
qu'il y ait du négationnisme et de ce qui se passe dans les problèmes avec la France. Sachez que la Belgique a exactement les mêmes problèmes. Le président a été traité de crapule par le ministre Klaas, qui est le ministre qui avait décidé le retrait des troupes dans un journal flamand à 15 jours des commémorations. Donc, c'est pas un pays ou l'autre, le négationnisme existe d'autre côté. C'est un ministre très fier, c'est le seul qui a été condamné pour détournement de fonds en étant secrétaire général de l'OTAN. Donc, il a des références. Donc, je ne fais pas le parallèle avec un ministre français. Et donc, je voudrais simplement aussi, en quelques points, casser des idées complètement fausses qui existent et qui sont presque incrustées sur le Rwanda. Le Rwanda est un pays pauvre et sans ressources. Donc, parce qu'en 1895, à Berlin, on a tracé une ligne. D'un côté, il y a de l'or, du coltan, du cuivre et tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté de la ligne, il n'y a pas de ressources. Alors, c'est complètement faux. Hein? Et ça permet d'ouvrir toute la discussion sur ce fameux pillage du Congo. Parce qu'il y a une autre chose. Le Rwanda est enclavé. Mais le Kivu est encore plus enclavé. La seule porte de sortie du Kivu, c'est pour ainsi dire le Rwanda. C'est Goma Kisenyi, c'est Bukavu Changugu, c'est les deux. Vous n'aurez jamais vu un camion de mazout ou de pétrole quitter Kinshasa pour approvisionner Goma. Ça n'existe pas. Ou un conteneur de coltan quitter Goma pour aller là. Maintenant, si on ramène l'or et les diamants du Kivu, il faut bien qu'ils sortent aussi du Rwanda. Et là, il faut bien que ce soit transporté. Donc la compagnie belge Sabena, qui était active au moment où elle a fait faillite, la sûreté belge est passée directement ramasser toutes les archives cargo de la Sabena pour qu'on ne sache pas tout ce qui a été transporté. Donc la notion de pillage par le Rwanda du Kivu implique une complicité complète avec des acteurs européens, en tout cas pour la Belgique, et dans un domaine que je connais bien. L'autre aspect, c'est la démographie. Le Rwanda est un pays avec une démographie invraisemblable. Hein? Mais bien sûr qu'ils vont envahir le Kivu. Hein? Regardez, ils ne savent plus là-dessus. Les chiffres, c'est 415 habitants au kilomètre carré. Vous allez sur Wikipédia et vous voyez que la Hollande, c'est 485. Mais personne n'écrit que la Hollande va envahir un land devant l'Allemagne. Hein? Bon. Il faudrait être peut-être plus nuancé parce qu'il y a des problèmes dans la démographie, mais il y a plein d'idées fausses sur le Rwanda qu'il est nécessaire de corriger, je pense. Je suis heureux de vivre au Rwanda, je suis heureux d'éduquer des enfants au Rwanda. Merci beaucoup. Monsieur Bocherf, vous avez été ambassadeur dans l'île de France au Rwanda. Vous vivez toujours en Afrique de l'Est, donc je pense que vous avez un témoignage direct à nous apporter sur le vivre ensemble après le génocide. Oui, je vous remercie. Je remercie Alain David de son invitation et de, je ne sais pas, pour remplacer Colette Brackmann, qui aurait certainement parlé beaucoup plus éloquemment de l'actualité, mais ce que je vais dire complète et prolonge ce que vient de dire le précédent orateur, parce que moi, donc, j'ai été ambassadeur donc, là-bas de 2004 à 2006, j'ai été nommé pour le 10e anniversaire du génocide, dans une mission de rapprochement, bien entendu, mais de rapprochement basé sur le fait de regarder l'avenir. Donc d'essayer de construire ensemble, de participer à la construction du Rwanda nouveau, ce dont on vient de parler rapidement. Et en effet, l'un des moyens, je pense, de guérir ou de surmonter le génocide, c'est de proposer un projet d'avenir ensemble. Tous les Tutsis, tous les habitants, je veux dire, étrangers aussi, du Rwanda, peuvent construire ensemble. Je crois que c'est le projet, évidemment, qui est à la base de la vision 2020 qu'avait donc imaginé le président Kagame et ses collaborateurs, qui venaient d'être révélés lorsque je suis arrivé. En tout cas, ça doit dater de 2002, je crois, les premières versions
de la vision 2020-2020, c'est-à-dire 2020, et où doit arriver le Rwanda en 2020, par un effort collectif, rassemblant toute la population autour de ses objectifs. L'objectif étant, objectif, pour le résumer rapidement, c'est de transformer une économie d'autarcie, un pays clos sur lui-même, essentiellement rural de subsistance, en une économie ouverte, de plein pied, avec la mondialisation, ouverte sur ses voisins, sur tous ses voisins dans toutes ses directions, et une économie qui est possible aujourd'hui, fondée sur les nouveaux moyens de technologies d'information. Donc de faire du Rwanda une sorte de hub régional. J'ai vu quand j'étais là, la première réalisation, parce que j'ai vu l'arrivée de la fibre optique qui permettait justement à, enfin, au Rwanda de se désenclaver. C'est enclavé bien sûr au niveau des infrastructures, comme l'a signalé l'orateur, mais également donc, au niveau de la société de l'information. Et ça, c'est la révolution, ce que j'ai appelé, dans un article récent, la révolution technologique qui, sur laquelle le président Kagame fonde, je crois, tous ses espoirs d'un avenir nouveau pour tous les Rwandais, pour l'ensemble des Rwandais, parce que cette société d'information est complètement diffusée en dépit du relief extrêmement difficile du Rwanda, dans l'idée était d'avoir des ordinateurs dans les écoles, l'électricité, etc., se heurtant à un problème d'énergie, bien entendu. C'est un projet qui était novateur et qui a été désormais d'ailleurs copié par les voisins, l'Ouganda et aujourd'hui le Kenya. Le président Kenyatta avait promis pour son élection l'année dernière aussi de distribuer les ordinateurs et d'équiper donc Internet l'ensemble des écoles primaires du pays. Donc c'est ce projet que j'ai vu commencer à mettre en œuvre. Alors, je voudrais dire que ce projet de Rwanda nouveau a suscité évidemment un certain enthousiasme d'un certain nombre, notamment aux États-Unis, dans le monde anglophone, mais continue de se heurter à un certain scepticisme du côté français et du côté francophone en général. Je parle bien entendu parce que j'ai pris ma retraite, dont admis à la retraite il y a maintenant presque 3 ans, et que donc je... Parole est libre. Je peux en effet m'exprimer un peu plus librement. Je l'ai fait dans quelques livres et quelques articles, et surtout parce que, comme vous l'avez rappelé, donc, ayant pris ma retraite au Kenya, et d'ailleurs après le Rwanda, je suis resté aussi dans l'Afrique de l'Est, parce que j'ai ensuite nommé ambassadeur à Djibouti, où j'ai pu également reprendre la question du Rwanda avec tous nos militaires basés sur place, et qui ont servi évidemment, Djibouti ont servi comme base première d'intervention au Rwanda et dans tous les pays africains voisins. Et donc, je suis resté dans cette région d'Afrique de l'Est. J'ai petit peu ensuite au Kenya. Et donc, ce que je peux rapidement, en quelques points, énumérer un peu les causes de ce scepticisme. Les causes inverses de l'enthousiasme des autres pour cette expérience du Rwanda nouveau. Alors, quand je dis scepticisme, parfois c'est une litote, parfois en effet ça touche au négationnisme dont nous parlions tout à l'heure, ça touche à, aussi ou simplement à un certain aveuglement, à une certaine myopie de certains de nos responsables. Mais c'est clair peut-être, je crois, certaines des motivations qui, tout à l'heure on réfléchissait sur les causes de ce négationnisme, qui expliquent... Certains acteurs français ont à se défendre de leur attitude en 1994, mais d'autres ne sont pas liés peut-être à 1994, mais ont, comment dirais-je, des raisons de
ne pas aimer le Rwanda pour la première raison, et quelques points que je vais énumérer. La première raison qu'on reproche, c'est que le Rwanda a quitté la francophonie pour rejoindre le monde anglophone. Et ça, évidemment, c'est le péché mortel pour un certain nombre de nos élites très attachées à la francophonie. Bien entendu, c'est une idée fausse que j'ai tout le temps, déjà quand j'étais ambassadeur au Rwanda, salué, au contraire, les progrès et les avantages énormes du bilinguisme. La langue principale, c'est le Rwanda, ça va sans dire. Ce n'est pas un problème entre anglophones et francophones, mais vis-à-vis du monde extérieur, ça situe évidemment le Rwanda, et ensuite, on a vu des élections dans beaucoup d'instances africaines où on peut à la fois parler le français et l'anglais. Bon. Donc, je crois que le péché originel, et qu'on reproche, qu'on entend des anciens collègues, des discussions, c'est toujours ce qui revient en premier. Kagame a fait passer le Rwanda au Commonwealth et a quitté la francophonie. Le Rwanda n'a pas quitté la francophonie, c'est un ambassadeur, au contraire. Bon, donc ça, je crois que c'est un péché originel, qu'on va revenir d'ailleurs à la fin, à un autre point, sous un autre angle. Le deuxième point, c'est que le Rwanda nouveau et le président Kagame, et son gouvernement, ont développé, comme vous avez fait allusion, une nouvelle approche de l'aide au développement, des relations qui doivent s'opérer avec les bailleurs de fonds. Et j'ai été aussi témoin et acteur entre 2004 et 2006 de cette affaire, c'est que d'un coup, en quelque sorte, le Rwanda a ringardisé nos processus, nos méthodes d'aide, méthodes de la coopération traditionnelle, mais également, donc, entre-temps, on a bien supprimé le ministère de la coopération, déjà nous, on avait fait aussi notre travail de notre côté, mais face à d'autres méthodes, que développer notamment le défi d'anglais ou les hollandais aussi, on passait à d'autres modes de relations entre bailleurs de fonds et pays aidés. Et c'est là que, je me souviens très bien, dans le dernier discours, donc la veille de la rupture des relations diplomatiques, à la suite de l'affaire Bruguière, qui donc m'a valu de partir immédiatement, j'étais donc avec le président Kagame dans une réunion sur justement l'aide internationale. Une réunion annuelle. Et tout le discours du président Kagame, qui était évidemment sous-entendu, mais il n'a jamais attaqué la France directement, je crois que j'ai pu rester à la réunion et lui parler, mais tout son discours, c'était de dire « We will not be bullied ». Bullied et bullied, c'est, ça revenait très fréquemment, c'est un mot donc anglais très typique, c'est-à-dire d'être bousculé, d'être harassé, harcelé par les puissances, les donneurs de leçons, les bailleurs de fonds. Donc ça, je crois que c'est aussi un des reproches que, secrètement, tout notre appareil français fondé sur la tradition de la coopération, lui en veut. Le troisième point, c'est son attitude maintenant, où il a pris en quelque sorte, où il a donné, en lui en accord, la vérité du discours, c'est ce discours sur la justice internationale, la justice pénale internationale. Bon, il est considéré comme un de ceux, avec le président Museveni, qui, à l'Union africaine, a mené le combat pour la réforme de la CPI. Qui, selon lui, et selon beaucoup d'autres, traite les Africains de façon privilégiée et différente des autres conflits. Et ça, est-ce que j'en parle? Parce qu'au Kenya, vous savez que le président actuel et le vice-président sont accusés devant le CPI
pour des affaires qui remontent aux élections précédentes. Donc ça aussi, cette remise en cause de la CPI ou l'Union européenne notamment s'est beaucoup investie, aussi ne lui vaut pas que des amis parmi nous. S'il y a des questions, on les prend pour 5-6 minutes. Je conclurai en 2-3 minutes et puis on arrête. Merci. Voilà, je vais demander tout simplement si peut-être de poser mon point anglophone, moi je suis francophone, par rapport au contrôle des richesses minières au Kivu notamment. Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que c'est pas reproduire cette idée du contexte de Fachelet? Est-ce que les Américains et les Français ne marchent pas en fait réellement main dans la main pour le contrôle effectivement de ces matières premières? Je sais que Gershav, en noir, Chirac, indiquait que la France était la sous-traitante en Afrique, tout le monde dans le précaré transafricain, des faucons américains. Donc je sais que les choses peuvent évoluer avec le temps, mais voilà, c'est le sujet de ma question. Monsieur Minel. Oui, c'est une opinion personnelle. Je suis. Le Congo est riche, c'est très clair. Mais est-il capable d'exploiter cette richesse? Je ferai une considération. Le Congo a 9 voisins, et depuis les indépendances, il n'y a aucun projet d'infrastructure qui a pu se régler avec un des 9 voisins. Je prendrai un exemple très typique. C'est le pont entre Brazzaville et Kinshasa. Voici les deux capitales les plus proches du monde. Il est très facile, la saison sèche, la saison de barrière rocheuse, de construire. Les plans sont faits, l'argent est sur la table depuis 25 ans, et ça ne va pas, ça n'est pas réalisé. C'est un problème vraiment propre au Congo, et le Congo a énormément de difficultés à gérer avec les voisins. Maintenant, les contacts qu'il a, disons, il y a un héritage colonial. Beaucoup de gens ignorent que le Kivu n'était pas géré directement par Léopoldville à l'époque coloniale. Il y avait un conseil supérieur du Kivu. Il existe des cartes des années 1935 avec tous les grands sites géologiques dont on peut parler maintenant. Mais imaginez-vous l'exploitation dans le Kivu. Il n'y a pas d'infrastructure. Quel est l'investisseur qui va amener du matériel? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'approvisionnement d'eau, il n'y a pas de route, etc. Donc les images de creuseurs, vous voyez, hein, scandaleuses, je les ai vues quand j'avais 10 ans, je les ai revues quand j'avais 25 ans, et je les ai revues encore récemment. Les populations essaient de vivre, donc elles creusent pour pouvoir vendre. En fait, il n'y a pas d'exploitation, il y a des comptoirs qui achètent matériel, et puis ces matériaux doivent être évacués. Donc, pour répondre à votre question, le Congo a des difficultés internes telles, mais tout le monde sait que c'est une grosse valeur, et il y a un intérêt international autour de l'accès à ces matières premières. Et certains imaginent de pouvoir plutôt avoir une influence sur le pouvoir du Congo pour avoir des contrats, etc. Mais il y a très, très, très peu de réussite, vraiment, d'exploitation commerciale. Je ne sais pas si tu n'as pas fait de voir les choses différemment. Alors moi, je voudrais surtout m'attacher aux positions anglophones-francophones que vous avez posées. C'est évident que, donc le Rwanda et le Burundi, comme vous le savez, ont rejoint la communauté de l'Afrique de l'Est, composée donc de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Auparavant, ils faisaient partie, ils étaient classés plutôt dans l'Afrique centrale, donc avec le Congo, la Centrafrique, le Cameroun, etc. Ce choix, il n'est pas un choix idéologique ou linguistique, c'est un choix purement économique. Parce que le Rwanda, évidemment, comme on l'a dit, le Kivu n'a pas d'accès à la mer par Kinshasa, c'est évident. Le seul accès à la mer, c'est par Mombasa, où donc moi je réside. Et vous disiez qu'il n'y a pas de route au Kivu, mais les sociétés de transit maritime et tout ce qui va avec l'infrastructure, qui sont basées à Mombasa, vont
évidemment quotidiennement à travers au Kivu, dans les Kivu. Hein, et j'ai vu des photos, bien sûr, les routes sont défoncées, c'est la jungle, etc. C'est encore le Far West, les westerns, le Kivu. Hein. Bon, Colette Brackmann n'est pas là, mais c'est la grande spécialiste du Kivu, elle aurait pu vous en parler encore beaucoup plus éloquemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le Rwanda, pour la communauté d'Afrique de l'Est, pour le Kenya essentiellement, qui est le leader économique, pas politique, parce que ça ne t'intéresse que à la politique kenyane, complètement nombriliste, mais comme leader économique, le Rwanda n'a d'intérêt pour le Kenya et pour les sociétés maritimes et d'infrastructures, etc., basées au Kenya, que parce qu'il sert de débouché au Kivu. Et donc, c'est pas pour rejoindre le camp anglophone, mais c'est au contraire, le Rwanda valorise sa relation, logiquement, économiquement, si on faisait abstraction des rivalités, des ambitions personnelles et politiques, etc., le Rwanda a vocation pour valoriser l'accès du Congo de l'Est. D'ailleurs, c'est pas seulement le Kivu, hein, c'est l'ensemble du Congo de l'Est par les ports de l'océan Indien. Donc, ramener la question à dire c'est anglophone, francophone, non, ça n'a pas de sens économique. Hein. L'accès du Congo de l'Est, d'ailleurs, c'est pas seulement le Kivu, hein, c'est l'ensemble du Congo de l'Est par les ports de l'océan Indien. Donc, ramener la question à dire c'est anglophone, francophone, non, ça n'a pas de sens économique. Merci. D'autres questions? Oui. Merci. Je voulais faire trois remarques. D'abord, je voulais remercier Jean-Louis Denguiden de nous dire que les Africains sont exigeants avec nous. Ils sont exigeants pas seulement avec la LICRA, ils sont aussi avec survie. Ils ont raison de l'être. Parce que si nous pensons être les citoyens du pays des droits de l'homme, alors les Africains, ils sont en droit d'être exigeants. Donc merci de l'avoir dit au début. Et je parle aussi pour survivre, il n'y a pas que la LICRA, parce qu'au début, il y a l'action. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question pour M. Decherf. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment le bullying français s'est arrêté? Parce que juste après le génocide, les aides humanitaires, les aides de l'Union européenne ont été contrées par la France. Ça a duré de longs mois. Et puis ça a continué aux Nations unies. Et puis, dans votre expérience de diplomate, à quel moment ça s'est enfin apaisé? Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait, du côté des autorités françaises, l'idée de contrer absolument le nouveau pouvoir rwandais. C'est arrêté quand je suis arrivé. Non, mais indépendamment de ça, je voudrais signaler surtout, parce que c'est une des actions dont je suis le plus fier, c'est d'avoir fait élire ensuite Donald Kaberuka hein, à la tête de la Banque africaine de développement. Et ça, le Rwanda et le ministre et le président, le ministre des Affaires étrangères, nous ont été vraiment très redevables d'avoir au deuxième tour, parce qu'au premier tour, il y avait un candidat gabonais, d'avoir soutenu. Et d'avoir fait gagner Donald Kaberuka, qui est actuellement le président de un des plus brillants sujets du Rwanda et qui est tout à fait bilingue. Et mon troisième point est sans doute le plus délicat à évoquer. J'entendais M. l'ambassadeur Kabale et puis aussi le développement de la fibre optique. Et je me disais, au moment où, ici, en Europe et plus généralement dans les sociétés occidentales dites développées, nous prenons quand même conscience de l'impasse de ce productivisme, de ce consumérisme à tout craint. Et je trouve dommage que, ça ne concerne pas que le Rwanda, mais d'autres sociétés du Sud, qui avaient développé un art de vivre très différent, s'engagent, j'ai l'impression, dans le même chemin, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le percevoir, qui est peut-être un chemin sans issue. Et ça... Ça, je pense pas qu'on puisse répondre sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il est tard, c'est la fête de la musique. Je voudrais conclure en deux mots, en vous disant simplement d'abord merci à tous d'avoir été présents toute la journée alors qu'il fait beau. C'est pas évident d'être enfermé toute la journée pour ça.
Je voulais remercier tous les membres de la commission Mémoire et Histoire de la LITRAC que je préside d'avoir participé à l'organisation de ce colloque, Gilles Leub notamment. Et je voulais vous dire que moi j'ai à peu près tout entendu, y compris des choses qui m'ont paru un peu trop passionnées aujourd'hui, des choses passionnantes, d'autres passionnées. Je vais réagir en 30 secondes en tant que militant et en tant qu'historien, c'est beaucoup dire. Enfin, j'ai écrit des livres d'histoire et je continue à en écrire par rapport à tout ce que j'ai entendu. En tant que militant, c'est moi qui ai voulu ce colloque. Alain l'a monté parce qu'il était le mieux placé et le plus désireux de le faire. Il l'a fait avec toute son énergie, tout son talent. Et je tiens à le remercier. En tant que militant, en tant que premier vice-président de la LITRA, pour nous, les génocides, il n'y a rien de pire. Et quand on a entendu ce matin ce qui s'est passé au Rwanda, beaucoup d'entre nous qui ont des parents victimes de la Shoah, c'est un papazian qui était là, qui connaît le génocide arménien, on a immédiatement la chair de poule, on retrouve des choses qu'on connaît. Ce que vous dites sur le silence complet, et puis tout d'un coup ça sort avec l'émotion. Moi je l'ai vu avec mon père qui a été déporté et qui est revenu, du moment où il disait rien, et puis des moments où ça sortait en flot. Donc on retrouve des choses, on trouve aussi des différences. Le viol comme arme de guerre, ça les nazis ne faisaient pas, ils ne faisaient pas tout, considéraient qu'il y avait un tel mépris pour la race juive et la souillure que pouvait apporter un viol, qu'il n'y a pas eu de viol, ils étaient punis de mort d'ailleurs. Donc c'est une politique très différente sur un plan technique. Ce qui est frappant aussi dans le génocide rwandais, c'est la rapidité avec laquelle il s'est fait. 800 000 victimes à peu près en 3 mois. 800 000, 1 million, c'est pas exactement, mais je ne le pense pas. Pardon ? Génocide des Tutsis, s'il vous plaît. Oui, le génocide au Rwanda, oui, le génocide des Tutsis au Rwanda. Ça s'est fait avec une rapidité surprenante. Donc, c'est quelque chose qui est effrayant. Pour moi, est simplement effrayant. Et s'il y a pu avoir quelques maladresses du côté de la LITRA, soyez assurés que, malgré tout, c'est un combat qu'on continuera. On n'est pas les seuls à le faire. Et on continuera à nous battre et à se battre pour que dénoncer tous les génocides et poursuivre, comme on a commencé à le faire, les génocidaires en France. En tant qu'historien, j'ai apprécié la table ronde de ce matin sur la difficulté d'ouvrir les archives et la nécessité d'ouvrir ces archives. Je dirais simplement deux choses. Ce ne sont pas que les archives françaises qu'il faut ouvrir. Ça a été dit ce matin à propos du Rwanda. Et monsieur l'ambassadeur, vous nous avez expliqué les difficultés techniques que cela pouvait représenter. Les archives britanniques, on y verrait des choses intéressantes aussi. L'attitude belge, qui est parfois jugée positive en France, et on a entendu ce matin avec monsieur Léonsov que c'était pas si net que ça. On n'a pas parlé de l'attitude américaine. On n'a pas parlé des Nations Unies, où les archives seraient bien intéressantes aussi. Et bien entendu, les archives françaises, parce que la France était présente au Rwanda, à partir de là, ça devrait permettre d'y voir clair. Alors ouvrir les archives françaises, c'est jamais simple. 50 ans ou 70 ans, donc on n'y est pas encore. Sur la guerre d'Algérie, j'en parlais ce matin encore avec Fatima, qui nous a aidé aussi pour monter ce colloque, Fatima Vestassi-Lankou, spécialiste de la question des archives. Les archives, elles sont ouvertes au compte-gouttes, pour certains et pas pour d'autres, donc elles ne sont pas publiques. Et sur un tout autre sujet, on voit très bien au Vatican que, en ce qui concerne la part que Pie XII a pu jouer ou pas dans la Shoah, les archives ne sont toujours pas ouvertes. Donc les archives, c'est compliqué, il faut du temps. Et il faut, au-delà des archives, une fois qu'elles sont ouvertes et qu'il y a des faits, il faut travailler dessus. Parce qu'un fait en lui-même n'est pas suffisant, il faut l'interpréter, il faut l'analyser. Je sais que le ministre des Affaires étrangères des génocidaires était venu à Paris. Le fait est établi, il est public. Il a été reçu par les autorités françaises. Je ne sais pas ce qui s'est dit.
Donc le fait est une chose, et puis derrière il faut analyser, il faut interpréter. Et il faut aussi du temps. J'ai travaillé sur le 19e siècle, sur Lamartine. Ce n'est que 50 ans après la Révolution française qu'on a commencé à avoir des ouvrages historiques intéressants sur la Révolution. Avant, on avait des prises d'opposition passionnées. C'est dans les années 1840 qu'on voit apparaître les ouvrages de Thiers, de Mignet, de Guizot et de Lamartine lui-même sur l'histoire des Girondins. Sur la Seconde Guerre mondiale et le rôle du gouvernement de Vichy dans la Shoah, c'est à peu près 40 ans. C'est Klarsfeld qui a travaillé sur les cas de Le Guay, puis de Bousquet, etc. 40 ans. Sur la guerre d'Algérie, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et ça fait 50 ans. Il y a une espèce de délai nécessaire pour que on quitte un peu le domaine émotionnel, les positions des uns et des autres qui sont respectables. Et la mémoire est indispensable, et le devoir de mémoire est indispensable. Mais il faut beaucoup de temps, même si le temps sera court, hein, il ne faudra pas 50 ans, j'espère, sur le Rwanda, pour qu'on y voit clair. Mais il faut du temps pour, entre guillemets, digérer tout ça, avaler tout ça, commencer à que ça fonctionne et qu'on réfléchisse, et on n'y arrive pas d'un coup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer l'effort qui a été commencé par des journalistes d'abord, par des historiens ensuite. On commence à avoir des travaux intéressants. Il faut continuer. Et en tous les cas, nous, à la LICRA, avec vous, si vous le souhaitez, on continuera. Merci. Je rappelle que c'est la fête de la musique, comme on l'a entendu, et qu'on peut en profiter. Merci.